Bonjour donc à toutes et à tous, bienvenue donc à cette nouvelle séance du séminaire donc qui lie la Fondation Gabriel Péri, l'Université de Rouen, l'Université de Dijon et la MSH de Dijon, et donc sur les ateliers sur l'histoire du communisme, avec une séance aujourd'hui qui, comme ça avait été annoncé la fois précédente, est une des premières séances dédiées au CERM, au Centre d'études et de recherche marxiste. Qui est un projet, donc, enfin, qui est un centre d'études qui a existé de 1959 à 1979. Je vais revenir dans un instant, et Serge Volikov donnera quelques précisions sur la contextualisation. Pour vous dire en deux mots que cette séance est une séance donc, qui a été l'occasion d'inviter des chercheurs ayant croisé dans leur recherche ou croisant dans leur recherche l'histoire du CERM, à des degrés divers, que c'est une première séance de travail autour de cette thématique, car il existe une bibliographie extrêmement restreinte sur l'objet CERM, ça nous paraissait important de valoriser cela, et que cette séance de séminaire est liée, vous l'aurez compris, même pour ceux qui n'ont pas assisté à la séance précédente, à un projet, donc Abricot 2 Collex Percé, un projet de numérisation des cahiers du CERM, cahiers qui, pour les chercheurs qui sont concernés, qui le savent bien, cahiers qui sont difficiles d'accès. Et donc, grâce à cette opération de numérisation, nous allons pouvoir rendre accessible aux chercheurs ce corpus, qui est un corpus majeur pour l'histoire, on va dire, des organisations intellectuelles proches du PCF, mais plus généralement un corpus très riche pour l'histoire du marxisme, pour l'histoire des sciences humaines et sociales dans les années 1960-70, au cours desquelles elles ont pris une ampleur toute particulière. C'est donc autour de ces thématiques que nous allons réfléchir aujourd'hui. J'ajouterais, bon, j'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, mais peut-être que tout le monde pourra rester à toute la séance, que nous aurons une journée d'études à l'Université de Rouen. Alors, l'Université de Rouen sera-t-elle virtuelle comme aujourd'hui, ou bien pourra-t-on se rendre à l'Université de Rouen? Eh bien, écoutez, je pense que dans le meilleur des cas, on fera de l'hybride de toute manière. Il y aura une journée d'études plus longue, spécifiquement dédiée au CERM, mais on voulait faire un premier atelier de réflexion, donc un point d'étape autour de ces questions aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole pour la deuxième partie de l'ouverture à Serge Volikov, qui est, à notre connaissance, outre son statut de professeur émérite à l'Université de Bourgogne et de président du conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péri, ça suffirait pour qu'il parle et qu'il ouvre. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est un des très rares, peut-être le seul en réalité, à avoir fait une entrée dans un dictionnaire des intellectuels, dirigé par Jean-François Cirinelli, sur l'histoire des intellectuels, où il y a une entrée sur les instituts de recherche liés au PCF, dont le CERM. Et pour ceux, encore une fois, qui connaissent un petit peu le sujet, si on croise parfois l'histoire du CERN dans l'histoire du PCF, il y a très peu de choses spécifiquement dédiées. Bon, à part les chercheurs qui sont là, qui ont croisé et qui ont déjà écrit des choses. Donc, ça me paraissait important de préciser ces choses-là. En introduction, je me tais, je passe la parole donc à Serge Volikov pour ouvrir dans un deuxième temps cette séance. Et ensuite, je reprendrai la parole pour présenter très brièvement nos intervenants du jour. Oui, merci Jean-Numa. Je continue ces premières phases-là d'ouverture en disant qu'effectivement, on a eu avec Jean-Numa, avec Jean Vigreux, cette idée de pouvoir faire ce travail autour du CERM en réagissant à une initiative qui a été celle de la démarche de Annie Bélarousse, à laquelle je rends hommage immédiatement, puisque c'est elle qui est venue en quelque sorte nous inciter à faire ce travail de collection, de collecte, pour retrouver à la fois les exemplaires de ces cahiers, mais aussi après faire un travail autour avec les témoins. Et il nous est apparu que c'était particulièrement pertinent dans une double histoire, une histoire de réflexion sur le marxisme. Il y a peu de temps, Jean Numa a dirigé plusieurs publications de travaux sur le marxisme à la française, dans différents, qui ont, dans le cadre de la revue Actuelle Marx et dans d'autres cadres d'un ouvrage. Et d'une certaine manière, la période des années 60-70 apparaissait, bien sûr, a été couverte, mais les cahiers du CERM apparaissaient comme un support et un moyen d'approfondir la recherche. Alors, ce que je voudrais dire en deux mots pour contribuer à cette ouverture, c'est de dire, je pense que, par exemple, Marco y reviendra et d'autres,
mais c'est de dire que le Parti communiste entre 1920 et 1959, donc dans une assez longue période, n'a pas eu de centre de réflexion organisé au même titre que le CERM. Pendant très longtemps, l'activité doctrinale, l'activité de réflexion organisée, l'analyse se faisait autour de revues, que ce soit les premières tentatives autour de la revue marxiste, du bulletin communiste dans les années 20, avec Rapoport, avec Souvarine, avant de disparaître ses premiers efforts au moment de la bolchevisation. Puis après, il y a eu, au tournant des années 30, une tentative de créer un cercle marxiste. À l'instigation de la direction de l'International communiste et de ses représentants, comme Fried, comme Kagan, comme Poincaré, il y a eu une sorte de regroupement autour des cahiers du bolchevisme, autour desquels s'est organisée une réflexion théorique, économique, associée à des cours et des conférences populaires, d'universités ouvrières, d'universités populaires. Et finalement, c'est à la fin des années 30 que se connaît la pensée en 1939 comme revue à la fois culturelle et théorique, associant des chercheurs, des universitaires, des sciences de la nature, mais aussi de la philo, de la science, sciences sociales, disons les deux personnages emblématiques étant Paul Langevin et Georges Polizère. Tout ça va être évidemment pour une part suspendu par la guerre et à la libération, il y a des projets encyclopédiques qui sont impulsés par le Parti communiste et qui tournent court. Projets encyclopédiques à la fois dans le domaine de la recherche, des publications et finalement avec la guerre froide, dès 47-48, ces projets sont abandonnés et se structure une activité doctrinale, une activité d'un marxisme plutôt de combat autour de la nouvelle critique, en même temps que la pensée continue de fonctionner et que des cercles ou des groupes d'universitaires et de chercheurs sont, j'allais dire, organisés de façon un peu disciplinaire, sinon professionnelle. Et en fait, c'est après la double secousse politique de 56 et de 58 que la direction du Parti communiste va envisager la mise en, va être amenée à mettre en place un organisme capable à la fois de maintenir son audience dans un milieu intellectuel, dans des milieux où l'influence reste forte, mais où il y a une crise de cette influence et de cette audience après les événements de 56 et même de 58. Et donc, jusqu'alors, c'était un secteur idéologique, ces journaux, ces revues, et en juin 59, Thorez va au congrès du parti, le 15e, va annoncer la mise en place d'un lieu qui sera le Centre d'études et de recherche marxiste, le CERM, qui est créé et officiellement au début de l'année 60. Et avec trois axes, le travail intérieur de recherche, la formation de chercheurs et le dialogue, confrontation avec les autres courants de pensée ou avec des chercheurs extérieurs. Et en quelques années, ce centre connaît un vrai succès d'audience et d'influence, puisqu'il a plusieurs centaines officiellement de membres avec 17 sections plus disciplinaires. Et d'autre part, sous la direction de Roger Garaudy pendant 10 ans, puis après de Guy Besse, après 1969, on a des membres du bureau politique qui sont des intellectuels et qui dirigent la structure. Et la continuité de l'activité, c'est pour ça que je voulais en venir à ce point et terminer, a été assurée largement par Nicolas Pascarelli, secrétaire général du CERM de 1966 à 1976. Et donc, pendant toute cette période, le CERM a eu un rôle tout à fait particulier, multiforme, hein, mais comme lieu de rencontre, assurant des activités multiples et étant un lieu aussi où on peut observer toute une série de débats à la fois disciplinaires, transdisciplinaires,
et qui sont aussi les lieux du dialogue avec le monde catholique, le marxisme et le structuralisme, etc., etc. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Merci. Parce que le reste, ça fait partie du travail sur le CERM et l'histoire, mais c'était simplement pour mettre cette émergence du CERM dans ce cadre général de l'histoire du PC, qui ne peut pas être oublié, et en même temps, cette histoire ne se confond pas avec celle du PC. Il y a une dialectique, évidemment, sur laquelle il faut travailler entre les deux. Voilà, quelques remarques. Tout à fait. Donc, sur ces remarques dialectiques, nous allons ouvrir notre séance, donc à la fois donc, un outil, si je puis dire, interne, mais qui ne se résume pas à cela, et qui donc recoupe en partie, il disait aussi juste avant Serge Olinkoff, l'histoire des sciences humaines. Alors pour en parler, donc un certain nombre de chercheurs à qui je vais demander d'être assez bref aujourd'hui, on aura encore une fois une journée d'études en juin, on pourra davantage s'étaler. Aujourd'hui, c'est les premiers éléments de la discussion que l'on voulait aborder, donc je demanderai à chacun, comme je l'aurais dit préalablement, de parler maximum 15 minutes, chacun, si possible, un petit peu moins. Et donc, je vais présenter au fur et à mesure, hein, on perdra moins de temps comme ça. Je vais passer la parole dans un premier temps, donc, comme le programme l'indique, à Marco Di Maggio, donc, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de la Sapienza à Rome, que l'on remercie d'autant plus d'être parmi nous que le confinement est encore plus brutal en Italie qu'en France. Et donc, Marco Di Maggio, comme vous le savez, pour un certain nombre d'entre vous, a publié un certain nombre d'articles et d'ouvrages sur l'histoire des intellectuels communistes, notamment en français un ouvrage aux éditions sociales, mais aussi plus récemment donc une étude comparée PCF-PCI donc qui vient de sortir en anglais donc aux éditions Palgrave Macmillan, et qui avait d'ailleurs par ailleurs publié des articles, notamment un article sur le cahier d'histoire sur l'Institut Maurice Thorez, mais je n'insiste pas sur les différents éléments et je lui passe dès à présent la parole. Voilà, merci beaucoup Marco Di Maggio d'être avec nous. Merci Jean-Noumar et merci pour m'avoir invité. Comme vous le savez, je suis très intéressé dans ces projets à Bricot et dans tout ce qui est autour de ces projets, y compris l'histoire du CERM. Comme quelqu'un d'entre vous le sait, moi, comme tu l'as dit, j'ai publié un livre en 2013 aux éditions sociales qui est issu de ma thèse de doctorat que j'ai fait avec Serge Volikov ici à Rome avec Giorgio Garrida. Et dans cette thèse, ce livre est une étude, on pourrait dire, sur les rapports entre les intellectuels, la production théorique et l'élaboration de la stratégie du Parti communiste français. Et donc, l'étude du CERM a été un peu au centre de mon travail de recherche. Donc, les choses que je vais dire très, très vite dans cette occasion pour pouvoir mieux les développer dans la journée d'études que j'espère sera en présence au moins dans l'été, j'espère bien, pour pouvoir revenir en France et pouvoir vraiment. Et bon, moi je ne comprends pas les choses qu'a dit Serge, qui a fait un peu un cadre chronologique et historique de l'évolution du CERM, mais moi je vais me concentrer sur les rapports entre les CERM, tout ce qui est la production culturelle, théorique et du centre d'études et de recherche marxiste et la politique du Parti communiste. Ce qui est l'élaboration, la stratégie du Parti communiste, qui a été un peu au centre de mes intérêts. Et Serge l'a dit, les CERM naît en 1959. Au 16e congrès, au 15e congrès du Parti communiste. Et la création du CERM s'en sert dans l'adaptation
de la politique culturelle et de la politique du parti en général dans ce qui avait été les tournants du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, donc du rapport secret et de la, en général de la déstalinisation. Et là, on voit comment les CERM, même si je ne vais pas citer l'intervention de Maurice Thorez au Congrès, mais les CERM, c'est un instrument pour permettre au Parti communiste de briser, on pourrait dire, disons, le zdanovisme, la culture politique de la guerre froide, qui, pour aller vite, était encadrée dans la division très nette entre sciences bourgeoises et sciences prolétariennes. Donc, les CERM, c'est un instrument pour les partis communistes, c'est un instrument pour construire les dialogues avec les autres courants culturels et politiques de la fin des années 50, début des années 60. On est dans un contexte français et international des bouleversements, on pourrait dire. On a évidemment la guerre d'Algérie, mais on a aussi les débuts de la détente internationale. Donc, on pourrait dire que les CERM vivent de cette nouvelle vague, de cette nouvelle ouverture des dialogues, des confrontations avec toutes les expressions culturelles et théoriques qui auparavant avaient été stigmatisées, on pourrait dire, en tant qu'expression de la culture bourgeoise, et donc totalement refusées, au moins d'un point de vue officiel de la ligne du parti. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, c'est aussi voir quelle est la façon dont les partis communistes vont à développer ce dialogue. Au début, dans les années 60, c'est surtout par des grandes figures, des grands intellectuels qui sont proches du groupe dirigeant du parti, de la direction du parti. Notamment, c'est Louis Aragon et Roger Garaudy. Mais on va voir aussi qu'au cours des années 60, cette ouverture, nouvelle tendance, on pourrait dire, va ouvrir toute une série de problèmes autour de la question du rapport entre l'élaboration théorique et l'élaboration et la mise en place de la stratégie du parti. Pas seulement d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue strictement politique. C'est-à-dire que les questions culturelles, les questions théoriques, la question de la philosophie marxiste, la question de la lecture de l'histoire du mouvement ouvrier, de l'histoire de France et aussi de l'histoire internationale, va devenir très vite une question politique. Là, on pourrait analyser cette dynamique des deux points de vue. D'un point de vue strictement des contenus de la production théorique, pour ce qui concerne l'histoire, pour ce qui concerne la philosophie, l'anthropologie, etc. Et aussi d'un point de vue du dispositif organisationnel qui est mis en place dans cette période. En général, entre la naissance du CERM en 59 et, on pourrait dire, 1968. Pour comprendre
pour analyser la première question, évidemment, on a, si on peut parler des sources, toute la production théorique des intellectuels communistes. Et donc, dans les différents domaines, la production des revues, mais la production des initiatives internes et des initiatives publiques du CERM. Pour la deuxième question, je vais très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais on pourrait développer ensuite cette question. Pour la deuxième question, c'est-à-dire du dispositif de fonctionnement, du dispositif organisationnel, à mon avis, on doit analyser les rapports entre les CERM, sa direction, et la section intellectuelle et culture du Parti communiste, qui, je veux pas dire des bêtises pour ce qui concerne les dates, qui à partir des 1960, si j'ai fait faute, vous me corrigez, à des 1964, est mis dans les mains d'Henri Krasucki. Henri Krasucki, c'est 64, Serge, je pense, oui. Et Henri Krasucki, c'est un peu les dirigeants communistes dans cette époque qui gèrent les fonctionnements du dispositif culturel du Parti communiste. Et là, on peut voir une particularité. C'est-à-dire qu'on a les buts d'Henri Krasucki et de la direction du parti, c'est de contrôler le développement et la production culturelle et théorique des intellectuels communistes, de gérer aussi la circulation de cette production à l'intérieur du parti et de gérer la façon dont cette production entre en relation avec tous ceux qui viennent de l'extérieur, donc tous ceux qui viennent des courants non communistes. Là, on voit qu'il y a un dispositif qui est mis en place et qui nous amène à un tournant fondamental dans l'histoire des intellectuels communistes français, qui est le comité central d'Argenteuil de mars 1966. À mon avis, toute la production culturelle et théorique du CERM doit être le but de ces dispositifs et que toute la production culturelle et théorique du CERM doit être fonctionnalisée à la ligne d'union de la gauche qui est inaugurée au début des années 60 et formalisée à partir de la direction de Waldeck-Rocher et ensuite dans les élections présidentielles de 1965. Ce dispositif est mis en crise par 1968. En 1968, on a une sorte d'explosion dans la production théorique, mais aussi évidemment dans la qui est le résultat de l'explosion sociale et politique du mouvement de 68. Là, on voit comment, par exemple, les catalyseurs de cette crise, c'est Roger Garaudy qui, de son rôle, des premiers représentants de du marxisme du PCF, devient un dissident. Et je ne peux pas trop développer, mais ce n'est pas seulement les personnages Garaudy, il y a aussi d'autres protagonistes, on pourrait dire, comme Louis Althusser, bien sûr, qui joue un rôle très important, qui nous permet un peu d'analyser les rapports d'instrumentalisation, si vous voulez, de la théorie
par les groupes dirigeants du parti. Parce que Althusser, il est un peu celui qui essaie, dans les différentes phases de l'histoire des CRPO, de souligner les éléments critiques. C'est-à-dire, par exemple, je pense par exemple à sa critique du comité central d'Argenteuil, de la résolution du comité central, dans laquelle il dit que c'est une sorte de libéralisation de la culture dans les domaines de la littérature, des arts, etc. Mais c'est aussi une façon de garder les contrôles du groupe dirigeant sur toutes les productions théoriques qui concernent les domaines qui sont directement liés à l'élaboration de la politique du parti. Une autre question fondamentale, c'est aussi, à mon avis, le fait que les SAM deviennent une sorte de... j'utilise un mot un peu fort, une sorte de ghetto pour les intellectuels. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui n'est pas mis en communication avec la base militante du parti, sauf qu'il est sous le contrôle de la direction. C'est-à-dire toute la circulation de la production du CERM et des autres institutions culturelles et du parti avec la base militante passe par la direction du parti, par les contrôles de la direction du parti et surtout par la section intellectuelle et culture. Cela va changer. Je ne sais pas combien de temps j'ai. Il faudrait que ça se termine. C'est terminé. Voilà. C'est là que ça va changer à partir du début des années 70, avec les passages de la direction de la section intellectuelle et culture de Krasutki à Roland Leroy, et avec avec le départ des Garaudy du parti, et la direction de Guy Besse pendant les années 70. Je m'arrête là et voilà. Merci beaucoup Marco pour ces premières pistes. Désolé d'avoir interrompu, mais... Je ne suis pas bien entraîné à cause des... Nous t'avons bien compris. Oui, voilà. Nous t'avons bien compris. Merci d'avoir évoqué un certain nombre de points clés, notamment le rôle de Garaudy, et puis un des questionnements qui a traversé nos interrogations en amont de ce séminaire, c'est effectivement quel est le rôle exact dévolu au CERM, avec toutes les limites que ça peut avoir, ce que tu disais à l'instant, que c'est peut-être une sorte de ghetto qui permet des instrumentalisations diverses et variées. Mais on aura certainement l'occasion d'y revenir. Alors, je vais passer la parole à Antoine Aubert, puisque Anthony m'a dit qu'il venait d'arriver, qu'il avait eu quelques difficultés pour se connecter. Donc, on va passer la parole peut-être à Antoine Aubert dans un premier temps, qui est donc docteur en sciences politiques et qui vient de soutenir une thèse sur devenir révolutionnaire, avec donc une grosse focalisation sur les années 1970 et 1980, ce qui est moins attendu sur ce genre de thématique, et qui donc a croisé à plusieurs reprises l'histoire des intellectuels communistes. Je précise qu'Antoine Aubert, donc c'est une thèse de sciences politiques sous la direction de Frédéric Matenti, qui, puisqu'on a évoqué la nouvelle critique, est une spécialiste aussi de ces questions. Je passe la parole à Antoine donc pour une 15 minutes aussi. Jean-Yves, juste une chose, oui. Antoine peut partager l'écran, il n'y a pas de souci. Oui, il y avait une histoire de partage d'écran, on l'a fait dans la première session, je n'étais pas trop inquiet pour la deuxième. Donc voilà.
Bon, c'était pas très important de toute façon, mais c'est juste pour vous montrer deux, trois trucs à un moment. Eh ben, merci beaucoup à tous. Merci Jean-Numa, merci Serge et les autres organisateurs hein, pour cette discussion consacrée au CERM aujourd'hui, qui est effectivement un lieu très important pour l'histoire intellectuelle et politique du communisme des années 60 et 70 en France, et aussi plus globalement hein, pour l'histoire de la vie intellectuelle française de ces deux décennies. Et donc, bon, comme ça a été dit, hein, paradoxalement, c'est un lieu sur lequel on ne sait pas grand-chose et sur lequel on ne dispose pas de beaucoup d'archives. Donc, dans ma thèse, hein, j'ai pu le croiser, mais je vais finalement plutôt faire un certain nombre d'hypothèses et de remarques plutôt que de montrer des choses très inédites, parce que finalement, je n'ai pas de source très, très forte sur le CERM en tant que tel. Alors aujourd'hui, je vais exposer quand même quelques idées en partant de ma recherche de thèse soutenue en décembre 2020 et qui, comme l'a dit Jean Numa, s'appelle « Devenir révolutionnaire, enquête sur les intellectuels marxistes en France ». C'est une thèse hein, qui s'est donnée pour ambition d'écrire une histoire sociale des idées marxistes en France des années 68 aux années 90, disons à la fin des années 80. Plus précisément, hein, j'ai tenté d'écrire cette histoire à partir du point de vue éditorial. Cette entrée éditoriale est triple, puisque la thèse s'intéresse principalement à trois éditeurs centraux de la période, Maspero, Anthropos et évidemment les éditions sociales. Alors concrètement, en un mot, hein, je me suis intéressé à ce qu'ont publié ces éditeurs entre 68 et 81, et à l'identité aussi de ceux qui ont publié ces livres, en gros qui étaient ces intellectuels. Donc dans sa première partie, ce travail de thèse il s'appuie sur l'étude d'environ 1800 livres et sur une analyse sociologique de 813 intellectuels marxistes, dont 246 pour les éditions sociales. Bon, je passe là-dessus, hein, c'était juste pour dire d'où je parle un petit peu. Donc ce travail est assez large, hein, qu'il est assez informé puisqu'il s'appuie sur une centaine d'entretiens, sur pas mal d'archives que j'ai consultées et puis sur des analyses statistiques, notamment à partir de données bibliographiques. Et donc j'ajoute que cette thèse a aussi un second volet qui est d'analyser l'évolution de ces idées et de ces intellectuels à partir de la fin des années 70 et durant les années Mitterrand, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui, donc je ne reviens pas là-dessus, mais on pourrait éventuellement en parler pour la fin du CERM si ça nous occupe à un moment. Alors, ceci étant dit, hein, donc c'est à partir de cette recherche de thèse que je voudrais faire quelques remarques, principalement à partir des productions intellectuelles qui émanent de ce lieu collectif, sachant que les idées hein, sont souvent un miroir de phénomènes plus généraux et elles permettent de souligner un certain nombre de traits caractéristiques de la production intellectuelle du PCF dans ces années et du CERM dans cette production. Sachant que, je pense qu'on pourra en discuter, mais c'est si la plupart des lieux intellectuels du Parti communiste sont des lieux où peuvent s'observer, disons, la relation complexe, parfois d'obéissance et de contrôle entre les intellectuels et la direction du parti, c'est sans doute moins central au CERM qu'ailleurs, et je vais essayer de le dire un petit peu. Alors, je ne parlerai pas de la création du CERM, hein. Marco Di Maggio en a un petit peu parlé, moi je vais vraiment me concentrer davantage sur les années suivantes et vraiment sur la production intellectuelle, et je finirai en parlant notamment de deux études de cas que j'aborderai vraiment très très superficiellement, mais sur lesquelles je pourrais revenir, à savoir le cas de l'évolution de la classe ouvrière au début des années 60, avec le débat autour de la nouvelle classe ouvrière, et puis le cas de la sociologie urbaine marxiste au début des années 70. Alors, je voudrais quand même commencer en donnant à voir quelques publications du CERM entre les années 60 et 70. Donc évidemment, j'en ai croisé un certain nombre hein, en travaillant sur les éditions sociales, puisque plusieurs des travaux menés dans le cadre du CERM sont publiés ensuite aux éditions sociales. C'est pour ça que je voulais juste partager rapidement l'écran pour que vous puissiez un peu visualiser ce type de texte. Donc ça, c'est cinq textes collectifs hein, qui sont signés du CERM, qui sont publiés aux éditions sociales entre les années 60 et 70, dont certains ont fait date, hein, comme on le rappelait tout à l'heure dans la première réunion, mais par exemple, celui sur le mode de production asiatique a vraiment suscité beaucoup de débats, et tout un tas d'autres, hein, aussi sur les sociétés précapitalistes. Enfin, voilà, vous avez un certain nombre
de production collective qui sont souvent issues soit de discussions internes, soit de colloques publics qui ensuite donnent lieu à ce type de publication. Vous avez aussi ces petites publications qui sont donc là, c'est la petite encyclopédie marxiste qui est publiée par le CERM au tout début des années 60, en gros entre 61 et 65. Là, je vous ai juste mis les trois premiers. En fait, bon, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais ça a une vie assez brève parce que c'est très lié à Cuba, en fait, au début. Hein, c'est peu importe. Et ça, c'est des petits textes beaucoup plus généraux. Et puis, vous avez donc ces fameux cahiers du CERM qui sont très nombreux et qui sont beaucoup moins visibles pour le coup et qui là permettent sans doute de voir s'élaborer une pensée marxiste de recherche, hein, véritablement, qui est vraiment très intéressante. Donc, voilà, je coupe juste ça pour maintenant. Je voudrais développer un petit peu certains points. Alors déjà, je voudrais interroger ce qui fait l'originalité du CERM à mon sens, à savoir la place qui occupe la recherche, et puis aussi la remettre un petit peu, du moins la questionner par rapport à ce que j'ai pu voir au niveau des éditions sociales, notamment dans l'après 68. Alors bien sûr, hein, c'est de la recherche d'orientation marxiste dont les thèmes restent en partie contrôlés par la direction et qui s'inscrivent plus globalement dans la même dynamique qu'aux éditions sociales. On y trouve par exemple la mise en avant des classiques du marxisme. Donc les classiques, c'est généralement on dit que c'est Marx, Engels, Lénine, Staline. Voilà, il y a plus Staline évidemment à partir des années 60. On trouve de longs extraits de textes de Marx, hein, dans de très nombreuses publications du CERM à cette époque. On voit aussi la valorisation de la recherche sur la tradition française, hein, notamment les Lumières. Je renvoie ici aux travaux de Stéphanie Rosa, hein, notamment sur la connexion les classiques du peuple, parce qu'elle a très bien montré la place qu'occupe ce type de texte dans la galaxie communiste, hein, vraiment mettre en avant un patrimoine spécifiquement français à ce niveau-là. On pourrait dire aussi un mot des réseaux internationaux, hein, dans lesquels sont pris le CERM, réseau que dans ma thèse, hein, sur les éditions sociales, j'objective essentiellement à travers les traductions. Au début des années 60, hein, il y a quelques liens avec Cuba qui sont rapidement cessés. Ces liens, ils sont notamment visibles dans cette petite encyclopédie marxiste que je vous présentais, parce qu'en fait, c'est l'université cubaine, hein, qui demande au CERM de mettre au point un ensemble de cours fondamentaux sur le marxisme-léninisme. Et en fait, c'est ces cours qui vont être publiés à destination d'un public assez large, mais qui vraiment émanent de discussions internes au CERM. Mais plus globalement, la plupart des textes et des échanges internationaux, y compris des traductions au sein des cahiers du CERM, ont lieu avec les démocraties populaires du RSS, hein, et ça correspond plus largement à ce qui se passe au niveau des éditions sociales, puisque j'ai pu montrer dans la thèse que c'était de loin l'aire géographique la plus représentée au sein du catalogue, et que le russe et l'allemand étaient de très loin les langues les plus traduites, avec environ 85% des traductions globales. Mais bon, voilà, je le mentionne juste. Enfin, on pourrait essayer de dire que malgré tout, le contrôle reste fort parce que, surtout pour les textes qui sont publiés aux éditions sociales, vous avez souvent des introductions qui cadrent un petit peu le propos. Par exemple, hein, en 1971, au moment du centenaire de la Commune, vous avez un texte qui est publié aux éditions sociales qui fait suite à des discussions au sein du CERM et puis ensuite à une semaine de la pensée marxiste et puis à un colloque, hein, c'est en avril 71. Et puis Nicolas Pasquarelli revient dans l'introduction à l'ouvrage, hein, publié par le CERM, donc sur l'évolution de la classe ouvrière depuis un siècle, ce qui lui permet de réaffirmer la permanence de son exploitation par la bourgeoisie malgré une amélioration certaine de ses conditions d'existence durant ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Alors, je ne développe pas, mais cet exemple, il illustre combien les études historiques au CERM et aux éditions sociales restent en partie attachées à cette construction d'une tradition communiste légitime et à des enjeux plus immédiats de stratégie politique et électorale, dont a notamment parlé Marco. Malgré tout, je pense que ce serait très réducteur de considérer que le contrôle est extrêmement fort au CERM et qu'on peut voir une place particulière et innovante du CERM dans la galaxie communiste.
La première, c'est que très rapidement, comme l'a rappelé Serge en introduction, vous avez des sections disciplinaires qui sont créées. Il y a la section juridique du CERN, la section linguistique dont va parler Hugo, j'imagine. Vous avez la section des philosophes, des historiens, voilà, vous avez tout un tas de sections, et ces groupes sont très ouverts, ce qui est l'une des originalités. Vous avez par exemple un appel qui est publié dans la revue L'Homme et la Société, qui est une revue publiée par Anthropos, donc ça c'est en 68, et vous avez le groupe de recherche marxiste des historiens, donc les historiens du CERN, qui publie en gros une sorte d'appel ouvert à des personnes qui souhaiteraient parler notamment des questions féodales. Hein. Enfin voilà, vous avez un appel réellement ouvert à des chercheurs qui ne sont pas forcément directement communistes. Et il y a une réelle volonté d'ouverture de ce groupe de travail. La deuxième chose innovante, c'est que le but du CERN, c'est véritablement de faire de la recherche. Et que l'essentiel des personnes qui y publient sont des universitaires, ce qui n'est pas le cas aux éditions sociales. Aux éditions sociales, on trouve finalement assez peu d'universitaires, puisqu'ils sont seulement 28%, tout statut confondu, à publier aux éditions sociales sur les 200 et quelques dont je parlais tout à l'heure. Alors, il faudrait faire une sociologie plus précise des gens qui publient au CERN et qui sont vraiment dans cet univers-là, mais il faut bien voir que c'est vraiment davantage des universitaires, davantage de la recherche, et ça c'est visible aussi dans ce découpage disciplinaire qui s'adresse en un sens davantage aux universitaires. D'ailleurs c'est visible dans les entretiens, parce que ce qui ressort des entretiens, c'est vraiment un espace de grande richesse, un espace de grande liberté, de faible contrôle, ce qui est assez inédit par rapport à d'autres espaces. Les mêmes intellectuels interrogés peuvent vraiment parler du CERN comme d'un espace très libre, alors que il y avait eu beaucoup plus de problèmes avec une publication aux éditions sociales, par exemple. Et c'est sans doute lié à l'originalité des cahiers du CERN, dont je vous présentais quelques exemples tout à l'heure, parce que ce sont vraiment des notes de recherche. C'est des cahiers qui sont en fait très nombreux, même si on les trouve très difficilement aujourd'hui, donc c'est très bien qu'ils soient numérisés. C'est aussi assez peu visible, ce qui permet sans doute une assez grande liberté à ce niveau-là. C'est aussi un des cahiers dans lesquels il y a des comptes rendus qui sont extrêmement détaillés. Par exemple, vous avez quelque chose sur Roman et Lumière au XVIIIe siècle, qui après sera publié d'ailleurs aux éditions sociales, mais vous avez vraiment la restitution de tous les débats qui ont eu lieu lors d'un colloque, et puis vous avez aussi deux numéros des cahiers du CERN qui sont publiés en 1970 et qui sont consacrés à une journée d'études sur l'impérialisme. Et là, on a vraiment dans le détail tous les débats qui ont eu lieu et qui sont retranscrits. C'est pas forcément facile à lire, et donc là encore, ça s'adresse plutôt à des chercheurs, et on voit finalement que l'identité intellectuelle très forte du CERN, elle s'affirme à travers ce type de collection. Pour finir, je voudrais aussi dire que on peut voir, en confrontant les activités du CERN avec d'autres espaces, notamment les éditions sociales, mais aussi certaines revues communistes, que en fait, c'est au sein du CERN que s'élabore collectivement une réflexion, mais toujours, en fait, c'est le CERN a toujours un statut d'initiative au sein des discussions au cœur du PCF. On peut le voir à travers deux choses. Le premier exemple, c'est des discussions au tout début des années 60, autour de ce qu'on a appelé le débat sur la nouvelle classe ouvrière. Donc, en gros, autour de 1963, vous avez deux livres qui sont publiés, qui sont intitulés « La nouvelle classe ouvrière », qui sont publiés notamment par Serge Malek, un intellectuel organique du Parti socialiste unifié. Et puis, toujours en 1963, vous avez deux publications du CERN, une publication sur la fatigue industrielle, qui interroge en partie la nouvelle condition ouvrière, et puis toujours en 1963, une semaine de la pensée marxiste qui est consacrée aux couches sociales moyennes en France au temps du capitalisme monopoliste d'État, et puis plus globalement qui interroge la place des ouvriers par rapport à ces classes moyennes. Mais ce n'est pas tout en fait. Dès 61, dès février, vous avez par exemple une soirée scientifique, vous voyez là, c'est une affiche qui n'est pas de très bonne qualité, je suis désolé. Mais il faudrait conclure bientôt, Antoine. Ouais, je conclue.
dès février 61, vous avez ces débats sur la classe ouvrière française qui sont organisés par le CERM. Et en fait, si on regarde un peu dans le détail, vous avez très rapidement et avant même la publication de ces livres sur la nouvelle classe ouvrière, vous avez des débats sur l'évolution de la condition ouvrière en ce début des années 80. On pourrait dire la même chose sur la sociologie urbaine marxiste. En 71, vous avez un groupe de sociologie urbaine qui publie d'abord un premier cahier du CERM, puis un deuxième. Et puis, je m'arrête là, mais en fait, c'est à travers cette initiative que peu à peu, vous allez avoir la constitution d'une section cadre de vie au sein du Parti communiste français, ce qui montre bien que vous avez peu à peu une visibilité grandissante de certaines initiatives qui partent réellement du CERM. Alors pour conclure, je pense qu'évidemment, il faudrait faire davantage d'entretiens spécifiquement consacrés au CERM. Il faudrait aussi voir de nouvelles archives. Et puis, plus globalement, c'est ce que je voudrais faire à l'avenir, il faudrait essayer de confronter toutes ces activités, ces productions intellectuelles du CERM avec d'autres espaces communistes, notamment les éditions sociales. Et c'est sans doute dans l'écart entre ces deux espaces que pourrait émerger ce qui fait véritablement l'originalité du CERM comme étant un peu une tête chercheuse de la production intellectuelle communiste dans ces années-là. Voilà, je m'arrête là, je suis désolé. Merci beaucoup Antoine pour cette intervention puis les quelques pistes de recherche dont tu viens d'indiquer. On va retrouver certainement des choses dans les interventions qui vont suivre. Je vais donner la parole immédiatement à Anthony Crézégu, toujours pour 15 minutes, et qui donc, Anthony, est agrégé docteur en histoire. Il vient de soutenir une thèse d'histoire contemporaine sous la direction de Marc Lazare, Sciences Po, sur la réception de Gramsci en France, sous ses différentes facettes, pourrait-on dire. Évidemment, on l'a dit dans la réunion préalable, la figure de Gramsci est une figure que l'on croise dans l'univers dont nous parlons, qui est l'univers du CERM. Voilà, Anthony, c'est à toi. Voilà, effectivement, merci Jean-Numa. Alors, j'ai pas pu assister à la première réunion parce que bon là en ce moment c'est un peu la crise au lycée avec ce qui se passe, on sait pas trop comment faire, donc il a fallu que je sois là-bas. Donc j'espère que je vais pas dire des choses qui ont déjà été dites. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. C'est difficile cet objet parce que il est fascinant, le CERM, et qu'il est en même temps insaisissable, en termes archivistiques. Pour moi, je vais essayer de refaire un petit peu. Donc moi, c'est une thèse plutôt d'histoire. Donc avec Antoine, on se complète. Ce qu'a dit Antoine était très riche. Et bon, c'est un autre angle, mais qui va nous aider à saisir un peu cet objet. Donc voir la chronologie, voir les ruptures aussi. C'est-à-dire ce qu'évoque Antoine. Je pense qu'il y a des moments. Il y a tout un jeu. Je pense à trois niveaux qui se jouent. Le rapport entre politique et université aussi, la place des communistes dans l'université, qui était longtemps très difficile et qui après va peut-être s'ouvrir par les diverses mutations de l'université et du champ politique, le rapport orthodoxie-dissidence, qui en fait est central dans ce que dit Antoine. En fait, on repère qu'il y a des rapports de dissidence, des rapports de divergence, et comment ça s'articule au parti et à son évolution de sa ligne politique. Et puis le rapport qui est central dans le rapport à la stalinisation aussi, politique-idéologie, science-idéologie. Et en fait, dans tout ça, ce qui est au centre, évidemment, c'est la place des intellectuels dans l'organisation. Quelle place on leur accorde ? La liberté de débat, mais aussi le rapport au processus décisionnel, à la capacité à changer la ligne ou à l'infléchir en un certain sens. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors, le problème, évidemment, c'est la question archivistique. Je vais revenir là-dessus. Et comment on peut arriver à dénouer un petit peu ou à rentrer dans cette chambre obscure ? Alors d'abord la création, je pense que ça a déjà été évoqué aussi par Marco parce que j'ai pas pu assister. Donc dans les années 50, moi le premier point où j'ai repéré le CERM, évidemment, c'est par Léo Figuère. Donc j'avais fait un entretien avec lui il y a longtemps au moment de mon mémoire où j'étais tout frais, et Léo Figuère insistait beaucoup sur la création du CERM à l'époque où il était responsable aux intellectuels comme une façon on est à l'époque où il y a des tensions assez fortes entre le PCF et le PCI, 56-59 évidemment, de trouver une issue à ces divergences et aussi de relancer un travail parmi les intellectuels qui ont été marqués par le choc de 56. Et Antoine, vous évoquiez Serge Mallet par exemple.
moi je pense à Poprenne, je vais évoquer un petit peu ça, c'est des gens qui étaient au PC et qui en 56-59 cherchent une nouvelle voie avec les différentes nouvelles gauches, et il y a un rapport à l'Italie qui est presque organique là-dedans. Alors, dans les archives maintenant de Figuère disponibles et dans ce que dit Figuère, l'Institut Gramsci, paradoxalement, était une sorte de, à la fois de modèle, quelque part, c'est-à-dire d'un espace de discussion ouvert entre communistes, mais aussi peut-être un peu élargi. Alors, dans la conception du PC, c'était d'abord entre intellectuels communistes, et une façon de, d'élaborer dans les sciences sociales quelque chose d'un peu plus riche que ce qu'on avait à l'époque stalinienne. Bon, moi, je pense qu'il y a ici une façon de voir les choses autrement, c'est d'aller voir du côté des archives de Poprenne, au Centre d'Histoire du Travail de Nantes. C'est-à-dire que Poprenne, entre 56 et 59, et encore, si je ne me trompe pas, dans l'orbite, en tout cas jusqu'en 58, et encore dans le PC, et il fait des voyages à Rome avec Mallet. Mallet le raconte dans le Nouvel Observateur au début des années 60, et il y a des discussions avec le PCI, avec l'Institut Gramsci, et j'ai l'impression que la fondation de ce CERM est à la fois une façon, comme le dit Figuère, de trouver une nouvelle ère pour le communisme, mais aussi de contrer ce qui se passe et la possibilité de centres alternatifs à ce moment-là, en connexion avec les Italiens. Je pense que c'est un des éléments, et il y a des notes de réunion de Poprenne là-dessus, hein, sur l'étude de l'Institut Gramsci, et je pense qu'il y a un double, là je pense que ça rejoint ce que dit Antoine, hein, par rapport à Maspero, Anthropos, édition sociale, il y a ce jeu de rivalité qui va avoir un petit peu l'initiative d'un centre marxiste, de recherche marxiste, et le PC ne veut pas non plus lâcher la main. Alors après, pour les années 60, ça me paraît évident, je ne sais pas ce qui a été dit au-delà de ce qu'a dit Antoine, bon, la figure qui est centrale, c'est évidemment Roger Garaudy. C'est pour nous, c'était pour moi un mystère, parce que j'ai dû faire des pérégrinations infinies pour aller retrouver des traces de Roger Garaudy un peu partout. Donc je suis allé jusqu'à Cordoue pour aller voir s'il y avait des choses. Je pense qu'il y a peut-être des choses à Cordoue. J'ai pas pu le faire à l'époque, parce qu'à Cordoue, il y a peut-être une partie de sa bibliothèque, paraît-il. Ça, c'est un mythe, ou je ne sais pas si c'est vrai. Mais bon, en tout cas, la bibliothèque de Garaudy, j'ai dû en acquérir une partie de ce qui était annoté, notamment ce qui était annoté par rapport à la pensée. Et je pense que là, il y a des choses intéressantes de voir en fait les volumes qu'il a, de voir les éditions. Donc par exemple, Anthropos, pour le citer, il y a des volumes d'Anthropos, assez nombreux. Donc à mon avis, là, il y a une connexion qu'il annote très scrupuleusement et qu'il l'utilise dans ses travaux, parce que Garaudy est quelqu'un qui lit, mais qui lit vous voyez, des notes, on va dire des sources secondaires, quoi, en tant qu'historien, on dirait. Hein. C'est-à-dire, il assimile et puis il reprend des choses qui existent déjà. Donc, en fait, dans le monde communiste, ça paraît novateur, mais ce qu'il reprend existe ailleurs. Par exemple, vous citiez Mallet, Belleville, Gorce, beaucoup Gorce, dans les temps modernes. Ben, en fait, il reprend des choses de chez eux, il les ramène dans le monde communiste, ça paraît quelque chose de révolutionnaire, totalement novateur, parce que le monde était un peu communiste, un peu fermé, mais en fait, c'est des choses qui sont assez basiques et assez qui circulent quelque part dans l'air. Concernant Garaudy, donc sa bibliothèque, ses archives, moi de ce que j'en avais vu, c'était pas très très convaincant. Enfin, ça apportait peu de choses, à part quelques lettres peut-être. Et encore une fois, là les lettres, je pense à des lettres à Sartre, à Hippolyte, ou des notes sur Hippolyte aussi. Il y a des choses ici qui vont nous amener peut-être du côté de la semaine de la pensée marxiste. Voir le lien qu'il y a entre le CERM et la semaine de la pensée marxiste, qui là, pour le coup, ont été quand même des événements au début des années 60, amenés à un dialogue avec des courants autres. Je pense, alors là, il faut voir les réseaux de Garaudy, ils sont vastes. Je pense à des gens comme Ricoeur, par exemple, j'ai dit peut-être Hippolyte, voir avec qui dialogue Garaudy. Je pense que la semaine de la pensée marxiste, c'est une des façons de dénouer cette question. Alors, je ne sais pas si on a plus de documents de ce côté-là. Après, je crois qu'ici, ce qui se joue, moi, je dirais les années 60, j'ai tendance à les valoriser parce que ce que fait Garaudy est quasiment la construction d'un contre-pouvoir dans un État dans l'État et un contre-pouvoir face à la ligne officielle de la direction du Parti communiste. Est-ce qu'il en a conscience dès le début ? Ça, c'est un mystère.
C'est-à-dire, par rapport à la naissance de l'Institut Gramsci, la naissance du CERM, pardon, est-ce que Garaudy a conscience dès le départ qu'il va faire un travail hérétique, qu'il va faire un travail quelque part de sape de l'intérieur, ou est-ce que c'est quelque chose qui mûrit progressivement? Ça, je ne le sais pas. Mais en fait, dans l'orientation qu'il donne au CERM, et dans peut-être la semaine de la pensée marxiste également, il y a au moins 4 points qui sont des pistes qui nous ouvrent vers autre chose, en fait. Pour aussi arriver à trouver ce qui se passe dans le CERM, il faut voir les liens avec le monde extérieur. Le dialogue, premièrement, ça c'était la marotte de Garaudy, le dialogue c'est notamment le dialogue avec les chrétiens, donc avec des milieux religieux progressistes, avec les intellectuels de gauche non marxistes ou paramarxistes, c'est un premier point. Et là-dessus, c'est faire un peu éclater le cadre de un peu classe contre classe ou parti contre parti ou bloc contre bloc et essayer de trouver des convergences qui ramèneront plus tard à l'émergence peut-être d'une gauche unifiée, ce dont se méfient certains dans le Parti communiste unifié ou presque fusionnel. Deuxième point, c'est le rapport, alors tu l'as dit Antoine, à l'Est. Mais en fait, dans les années 60, c'est pareil à l'Institut Gramsci, moi je le vois de manière parallèle. À l'Est, les choses bougent lentement, elles bougent de manière souterraine et il y a des possibilités, à mon avis, dans l'Institut Gramsci. Je vois vraiment ça comme une centralité de l'Institut Gramsci aussi. Alors, c'est mon angle particulier, on va dire. Il y a une tentative de promouvoir un socialisme réformé, humaniste, et ça se joue notamment par la Tchécoslovaquie. Mais tôt. Début des années 60, sans doute. Et là, il y a des réseaux qui sont connus, hein, bon, au Tassic, en philosophie, ça pourrait être Kosik, par exemple. Et là, ça se joue, et ça rejoint ce que tu disais, Antoine, avec l'homme et la société aussi, de Pronto et Jonas. Pronto, là aussi, qui est un pied dans le parti, un pied à l'extérieur, je pense qu'il y a des liens organiques avec ce que fait Pronto, du côté de l'homme et la société. Tu évoquais l'appel de 68, par exemple. Bon, 68, c'est un moment où les choses se dénouent, puisqu'à la fois, Garaudy va aller vers une rupture, on va progressivement le marginaliser, le mettre à l'écart, mais il y a aussi beaucoup d'intellectuels qui étaient restés dans le parti après 56, qui gravitent autour du CERM, qui gravitent autour de l'homme et la société, et qui en 68 vont aussi rompre. Hein, je pense à Rebériou, par exemple. Madeleine Rebériou, il y a tout un... Les noms sont très longs. Tu as la fondation après de... Vous avez la fondation de Politique Aujourd'hui, qui se joue en 68 également, avec des gens qui sont, je pense à Noirot, Démocratie et Socialisme. Donc en fait, il y a toute une galaxie là-dedans où Garaudy a essayé de synthétiser ou cristalliser autour du CERM des choses qui se jouaient à ses marges. Je pense que là, il y a de quoi voir et enquêter. Troisième point, le tiers-monde. C'est-à-dire que ça a été aussi un apport de Garaudy, même si c'était très vague chez lui, et sa connaissance était peut-être limitée, mais il essayait d'avoir des connexions avec, par exemple, l'Afrique, je pense à Suez-Canal, par exemple, ici, avec le monde arabe, éventuellement, avec l'Asie. Donc, il y a des ouvertures culturelles qui sont faites, il faut voir par quel réseau elles sont faites. Et encore une fois, c'est comme Garaudy est pour l'instant une chambre noire, il faut aller, c'est une boîte noire, il faut essayer d'aller voir ailleurs, pour trouver les façons de comprendre ces réseaux, en fait, qui, moi, me posaient problème. Et évidemment, le dernier point, c'était la nouvelle gauche. Tu as évoqué, Antoine, la nouvelle classe ouvrière, Mallet, Belleville, Gorce, tous les débats qu'il y a aux marges du parti, que le parti essaie de réintégrer avec les travaux de Bouvier-Ajam ou de Quint, par exemple. Mais Garaudy va assez loin, puisqu'en fait, ça pose la question centrale de la place des intellectuels. Les mutations de la classe ouvrière, c'est dans un langage... On parle le langage encore classique du mouvement ouvrier, mais le but, c'est de dire qu'il y a finalement une nouvelle classe qui émerge et qui sera la classe dirigeante, et qui sont les techniciens, les ingénieurs ou les intellectuels organiques, en un sens. Et là, ça va loin, et c'est sur ce point, en fait, à mon avis, que la rupture va se faire avec le Parti communiste, qui ne peut pas accepter la remise en cause de son monopole en tant qu'appareil du mouvement ouvrier. Je vais essayer après d'aller... Oui. On va terminer bientôt. Ah bon, bah alors je finirai. On aura d'autres occasions pour la journée d'études. Je vais poser les premiers jalons, excusez-moi. Voilà, oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses. Mais là, bon, je vais aller. Antoine, je suis perdu dans les Antoine. Je vais juste finir par les années 70, pas grand-chose, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est vraiment, Antoine, tu l'as fait par le monde éditorial. Il y a aussi vraiment la question des revues.
je pense que les revues sont une projection d'une partie du travail du CERM. Donc, il faut voir sur à quelle revue, à quel moment il y a les mêmes thèmes. Moi, quand je vois les cahiers que tu évoques du CERM, je vois des liens à certains moments très forts avec la pensée, par exemple. Les mêmes auteurs ou les mêmes thématiques. Et la pensée est quand même un organe qui a eu une certaine ampleur, qui a aussi pu éviter au pire de la stalinisation à un certain moment. Bon, je pense que là, il y a un lien organique à travailler. Le lien avec la nouvelle critique, point d'interrogation. À quel moment, là encore? Sur les années 60, la nouvelle critique a aussi une certaine ampleur avec, je pense, au groupe autour de Véré, de Simon, même Sève qui apparaît à ce moment-là. Alors, quels sont les liens? Moi, je fais un lien. Ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été dans les années 70, voir ce qui se passait du côté des éditions sociales, précisément, et du côté de ce qu'on appelait, je crois, le comité consultatif des éditions sociales, où Sève met en place une sorte d'intellectuel collectif avec les anciens de la nouvelle critique des années 60. Véré, Simon, Gisèle Brecht, par exemple. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait l'idée très politique de la part de Sève, évidemment, d'à la fois contribuer à l'union de la gauche, de contrer peut-être des idéologies qui apparaissent dans les milieux des années 70 de type nouvelle droite, par exemple, irrationalisme, cela, et de relancer une sorte de noyau rationnel du marxisme et ouvert à des gens hors de ce champ. Sève évoquait, moi ça me vient en tête, les noms de Bouveresse, par exemple, de Régis Debré, voilà. Donc je pense qu'il y a des choses ici à creuser. Je regarde dans mes notes, je vais essayer d'aller vraiment de conclure. Il faut vraiment finir, on pourra revenir dessus dans la discussion, Anthony. Voilà, bon, il y a une dernière chose, et je ne dirai rien de plus, je me tais, c'est sur les écoles du parti, éventuellement. Quel est le lien entre les écoles, les cours du soir aussi dans les années 60? Je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'il nous mène à la question de la popularisation de ces idées, ne pas rester dans un ghetto d'intellectuels, de gens qui parlent sans prendre de décision, et de l'autre, des gens qui décident sans parler. Mais le lien avec les militants, les cadres. Et il y a des liens, mais qui me paraissent pas tant dans les écoles centrales que peut-être dans des choses périphériques, comme les cours du soir dans les années 60, par exemple, ou les écoles parallèles. Voilà. Merci beaucoup. Désolé de devoir interrompre. C'est un premier séminaire, une première réflexion autour du CERM. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on n'est pas à court d'idées et d'analyse. Bon, juste pour faire la transition, hein, on tourne beaucoup autour de la figure de Garaudy et évidemment des traces qu'il a pu laisser ou qu'il n'a pas laissé, surtout vu sa trajectoire ultérieure, évidemment ça pose un certain nombre de questions. Et puis on recoupe, hein, tu as cité la pensée, effectivement dans notre première séance davantage technique sur la question de l'indexation, on se posait la question du devenir des premières élaborations des textes du CERM, où est-ce que ça atterrit, entre guillemets, donc parfois ça atterrit soit dans les cahiers, soit au livre des éditions sociales, et puis il y a une espèce d'espace intermédiaire ou bien supérieur, je ne sais pas ce qui dans la légitimité intellectuelle compte le plus à ce moment-là, c'est pas toujours évident de doser, qui sont les articles dans la pensée, par exemple, ou des articles extérieurs au monde communiste, et les allers-retours entre monde communiste et tout ce qui est extérieur à ce monde-là nous interroge beaucoup. Voilà, je me tais, et on reviendra, il y a des questions sur les archives, moi j'ai quelques mots à dire sur les archives, mais la jonction est faite avec les archives. Je vais donc passer la parole à Pierre Bochu, qui est justement archiviste aux archives départementales de Seine-Saint-Denis, en charge du Fonds du Parti communiste français. Il m'a dit qu'il était là, mais je crois que son nom n'apparaît pas. Mais je sais qu'il est là. Vous me voyez, non? Ah bah oui, il est là. Voilà. Alors, on te voit très bien. C'est Pierre et Vanessa. Pierre B. Pierre B, voilà. Pierre Bochu. Je ne sais pas pourquoi c'est apparu comme ça. Bah écoutez, bonjour merci à tous. 15 minutes, Pierre, merci d'avance. Ouais, je vais être assez rapide, puisque moi, je n'entrerai pas sur l'exploitation scientifique des archives du CERM, bien sûr. Et en tant qu'archiviste, la problématique que je me pose, c'est de savoir si les archives à disposition aux archives départementales, donc dans le fond du Parti communiste français, sont des sources suffisantes pour écrire une histoire de la structure. C'est un peu là-dessus que j'ai élaboré une première approche d'un corpus de sources qui permettrait de faire l'histoire, d'écrire l'histoire de cette structure assez originale. Alors, on trouve bien sûr la trace de la naissance du CERM dans les archives de direction, hein, puisque c'est au cours d'une réunion du 17 décembre 1959
Et sur la base de propositions portées par Garaudy, que le bureau politique accepte la création, valide la création d'un centre d'études et de recherche marxiste. Et pour rappel, ces archives de direction-là, du bureau politique et du secrétariat, sont aujourd'hui accessibles en ligne sur le site des archives départementales, mais sans indexation. Voilà, alors les locaux originaux, enfin les locaux à l'origine, et ils ne bougeront plus d'ailleurs, c'est au 64 rue Blanqui, à côté de la bibliothèque marxiste qui naît dans le courant des années 50. Là, il y a donc une soirée de lancement le 26 janvier 1960, dont les archives du CERM, et je vais vous en parler plus longuement, gardent la trace avec une intervention de Roger Garaudy notamment, et d'autres intellectuels qui vont lui succéder dans cette soirée de lancement. Alors l'originalité en fait de ma présentation d'aujourd'hui, c'est que j'ai traité, sur la base d'un récollement, j'ai effectué le récollement des archives du CERM aux archives départementales. Donc ça, c'est un petit peu la nouveauté. Je pensais, puisqu'on avait entamé la réflexion autour des archives des éditions sociales, notamment il y a quelques années, que les archives de la structure seraient très lacunaires. Et en fait, il s'avère qu'elles le sont moins que je n'imaginais. Donc là, il y a peut-être une ressource possible, au moins pour écrire ou donner les grandes, les grands, enfin pour écrire, oui, une histoire de la structure. Alors, les archives du CERM ont été prises en charge par les archives départementales lors de la vente de l'immeuble du boulevard Blanqui. Donc là, on est aux alentours de 2005-2006. Et en fait, elles ont émergé d'une espèce de grand vrac qui était constitué essentiellement des archives de l'Institut Maurice Thorez et de l'Institut de recherche marxiste. Donc, au sein de cet ensemble d'une cinquantaine de mètres linéaires, ont émergé les fameux 4 mètres linéaires dont je vais vous parler un petit peu plus précisément. Donc, ces archives couvrent l'intégralité de la période 1960-1980. Et je dis tout de suite que je n'ai aucune idée de leur caractère d'exhaustivité. À ce titre, Annie Benarous avait évoqué la disparition d'archives à l'occasion de travaux effectués, je ne sais plus où exactement, dans les années 1970, peut-être qu'elle pourra revenir dessus. Donc voilà, donc 4 mètres linéaires, donc qui datent du lancement du CERM en 1960 et qui vont jusqu'à sa liquidation en 1980. Rappelons que le CERM est une association, donc qui a un statut un petit peu particulier, et qu'il est ouvert aux non-communistes. Voilà. D'ailleurs, il est intéressant, peut-être faudra-t-il revenir dessus, mais de voir en quoi la disparition du CERM et sa fusion avec l'Institut Maurice Thorez dans l'Institut de recherche marxiste a été peut-être le marqueur d'une reprise en main du dispositif intellectuel du Parti communiste. Voilà, alors quelques mots sur le fond. Donc, alors, première chose, c'est un fonds relativement mal stabilisé, comme les fonds de section de travail du comité central en général, où peuvent apparaître des nouvelles archives qui n'auraient pas été identifiées aujourd'hui, notamment dans cette espèce de grand ensemble que constituent les archives que nous appelons de l'IMT et de l'IRM. Il est possible qu'il y ait des nouvelles choses qui apparaissent. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas fait un instrument de recherche définitif et ce n'est pas ma perspective, mais simplement un récollement, c'est-à-dire une liste de ce que contiennent ces archives. Le fonds étant mal stabilisé, il est néanmoins, pour ce que je vais vous présenter, aujourd'hui accessible. Donc, les chercheurs qui souhaitent s'y pencher sont tout à fait les bienvenus aux archives départementales. Alors, qu'est-ce que contient le fonds? Alors déjà, de manière intéressante, des archives relatives au fonctionnement interne de la structure et notamment de ses instances dirigeantes, donc ce qui permettent de reconstituer notamment l'action des différentes structures. Alors avec le temps, je crois que les choses évoluent, mais il y a au moins un conseil scientifique, un bureau, un secrétariat, et là émergent un certain nombre de noms qui permettent potentiellement de reconstituer les organigrammes d'une certaine manière. Alors, sur le fonctionnement interne, les archives sont également constituées de lettres circulaires, de convocations à des réunions, de comptes rendus de réunions et notamment de réunions de direction,
de contributions discutées collectivement qui sont adressées par la direction de l'Institut, enfin du centre, et ce qui est assez rare dans les archives du Parti communiste, des éléments de comptabilité. Pour une période très réduite, puisque c'est la période 68-69, et aussi un petit dossier de 1970 relatif au personnel du Centre d'études et de recherche marxiste. À l'origine, en 1959, quand Garaudy produit sa note, il ne demande en tout et pour tout qu'une sténodactylo pour faire fonctionner le centre, donc des moyens relativement modestes initialement. Donc ça participe de petits focus, ça ne documente pas l'intégralité de la période, mais néanmoins, c'est assez intéressant de voir les mouvements comptables, les relations avec les maisons d'édition, voilà. Pour en revenir aux éditions sociales, autre dossier intéressant, c'est au moment de la liquidation du centre, c'est les relations avec cette maison d'édition, notamment sur la question de cession de droit, donc il y a des contrats d'édition, un certain nombre de choses qui, moi, me paraissent assez originales et intéressantes et peuvent répondre à des questions d'ailleurs qui ont été évoquées précédemment. Alors, dans les archives de fonctionnement, j'intègre également les bilans d'activité qui sont relativement réguliers et qui permettent d'établir une chronologie des événements et des... organisé par le CERM et d'ailleurs de l'activité des différentes sections qui le composent. Et alors la chose qui a émergé et qui me paraît moi être une source tout à fait originale, je me suis permis de les sortir des archives départementales, c'est deux carnets, deux cahiers qui recensent 2705 personnes, alors communistes ou non, qui se sont inscrites au CERM entre 1959 et 1979, et août exactement 1979, puisque ouais, août, le dernier adhérent en août 1979. Donc là, on a les noms des personnes qui soit sont auditeurs, soit participent au travail du CERM. Et leur spécialisation. Donc je pense que là, il y a une source pour les sociologues qui me paraît de tout premier plan, puisqu'elle est parfaitement exhaustive. Alors, au-delà des archives de fonctionnement, il y a beaucoup de choses autour des colloques et séminaires publics en général qui sont organisés par le centre, et notamment des dossiers relativement exhaustifs, même s'ils ne sont pas considérables en volume, sur les semaines de la pensée marxiste qui viennent ponctuer l'activité du centre pendant toute la période. Il y a des dossiers également sur le colloque de Royaumont, en général plutôt sur la dimension préparatoire et la conclusion par la publication d'actes. Donc il y a quand même des documents intéressants. Et il y a aussi pas mal de choses finalement sur l'activité des groupes qui permet de reconstituer les cahiers que j'évoquais précédemment, de reconstituer les différents groupes qui ont participé de la production intellectuelle du centre. Et enfin, un nombreux matériel de communication sous forme d'imprimés comme ça peut intéresser les numérisateurs, avec des bilans d'activité, mais aussi des tracts pour des tracts ou des dépliants de présentation du centre et des tracts ou des affiches pour des initiatives publiques. Donc on a quand même pas mal de choses, mais qui constituent simplement un premier axe, un premier angle d'accès sur l'histoire de la structure, puisque un des manques qui est très notable, c'est qu'il n'y a rien entre des relations entre la direction du CERM et la direction nationale du parti, voire la section des intellectuels, puisque y a des liens qu'on retrouve par ailleurs dans les archives des responsables des intellectuels qui sont évidents entre le dirigeant du CERM et cette section de travail du comité central. Donc voilà, alors comme je l'évoquais, je ne peux rien garantir de l'exhaustivité de ce fonds. Est-ce que des choses ont disparu? Est-ce que ce ne sont que des reliquats? Néanmoins, c'est déjà une première approche, une première source
qui permet d'envisager un vrai travail sur la structure, j'y reviens. Alors, en tant qu'archives complémentaires, donc j'évoquais bien entendu les archives de direction. La question du CERM est souvent abordée, que ce soit au comité central, au bureau politique ou au secrétariat. Rappelons que pour le comité central, des enregistrements existent. Une réflexion sur leur mise en ligne est actuellement entreprise. Et au-delà des archives de direction, les fonds personnels. Donc, il y a des choses à peu près chez tous les responsables de la section intellectuelle qui sont succédés depuis Casanova. Donc, rappelons que Casanova... Alors, sauf que Casanova n'a pas laissé d'archives, pour le coup. Mais il y a des choses chez Figuère, chez Krasucki, dont le fonds est déposé à l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT. Il y a beaucoup de choses chez Roland Leroy. Et il y a des choses chez Chambaz, mais le fonds est actuellement inaccessible puisqu'il est patrié. Sinon, il y a juste un petit récollement sur une partie de ses archives. Voilà. Et puis, il faudrait également voir chez Françoise Lazard sur le moment où la décision est prise de fusionner le CERM et l'Institut Maurice Thorez pour en faire l'Institut de recherche marxiste et les débats de direction autour de cette question. Alors, parmi les dirigeants du CERM en tant que tel, alors le fonds Garaudy, comme le disait Anthony, je crois, est relativement... Je n'entends plus, moi. Ça a été coupé. Alors, on n'entend plus Pierre Boichu, ouais. Qui, j'espère, va revenir parmi nous. Il a dû avoir une rupture de faisceau. Ouais, il avait eu des problèmes pour se connecter initialement. Je vais le prévenir par téléphone parce qu'il ne se rend pas forcément compte. Excusez-moi, 30 secondes. Sinon, on le reprendra. Ça vous laisse du temps pour réfléchir aux questions que vous allez poser. Il y en a déjà plein, j'imagine. Ouais, j'en vigreux, certainement. Déjà beaucoup de questions. Quelques-unes. Pardon, Pierre Boichu ne me répondant pas. C'est bon ? Pierre est de retour. Voilà. C'est de ma faute ? Je ne sais pas si c'est mon ordinateur qui a planté ou pas. Non, tu as eu un problème de connexion. Alors, Pierre, indépendamment des problèmes techniques, il te restait 2 minutes à peu près. Hein. D'accord, alors je fais vite. Hein. À l'essentiel, on aura le temps de voir. Pierre redit peu de choses. Bess, il y a aussi une ressource qui, moi, me paraît fondamentale sur les correspondances, puisque si les correspondances en général sont beaucoup plus larges que simplement la question du CERM, donc question philosophique, débat avec Althusser, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Et il y a aussi une série intéressante dans les archives de Bess, c'est qu'on a l'intégralité, enfin peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas une série presque exhaustive de ses interventions en bureau politique. Et enfin, autre fond de dirigeants, en trois mots, le fond sur Ecanal, où là aussi il y a quand même pas mal de choses intéressantes. On pourra se poser après la question potentielle d'archives de Yann Viens ou de Nicolas Pasquarelli, mais ça, je n'ai pas d'informations sur leur existence. Je crois qu'Annie me disait qu'il n'y en avait pas vraiment. Voilà. Alors, chez les secrétaires généraux, vas-y, Pierre, on ressemble chez Valdec, Rochet, il y a un intérêt réel pour l'activité du CERM, mais je n'ai rien trouvé de particulier, par exemple, chez Georges Marchais. Donc, sur la période, c'est quand même intéressant de voir un intérêt évolutif entre deux secrétaires généraux. Alors, sans exhaustivité, hein, il y a des choses chez Gaston Pissonnier. Il y a beaucoup de choses sur Francis Cohen qui avait l'originalité de prendre des notes de réunion systématiques et extrêmement propres. Des choses un petit peu plus ponctuelles sur Marcel Cohen, qui était collaborateur du groupe linguistique. Et enfin, il faudrait étudier très précisément les archives de Cogneau, qui sont mal connues, mais qui, à mon avis, jouent un rôle initial dans la création du Centre d'études et de recherche marxiste en tant que spécialiste des questions touchant aux intellectuels. Voilà, alors hors du fond du parti, il y a aussi des typologies, il y a des photographies que j'ai pu identifier dans les archives, dans la photothèque du journal L'Humanité, et il y a aussi des dizaines de cassettes d'enregistrement sonore qui sont encore mal connues par mes collègues du service dédié, mais qui ont le mérite d'exister, notamment
des enregistrements en 78 du conseil scientifique du CERN. Voilà. Très bien. Donc tout ça à compléter, à préciser, mais en croisant ces différentes sources, moi je pense qu'il y a quand même des éléments pour faire une histoire de la structure. Alors après, autre chose étant, est-ce que pour les historiens, c'est intéressant de faire une histoire de ce type de structure? Merci beaucoup Pierre pour cet exposé sur les archives PCF Seine-Saint-Denis. J'ajouterai juste en passant que pour les débuts de la période, pour ce que j'en sais, aux Archives nationales, vous avez le fonds de Maurice Thorez et Jeannette Vermersch, où il y a beaucoup de correspondances dans, non classées dans le fonds Maurice Thorez, avec certainement des choses concernant les débuts du CERM. Et par ailleurs, j'en profite pour signaler, parce qu'il voulait venir nous écouter, et il sera très vraisemblablement là à la journée d'études que nous organiserons sur le CERM, il y a François Borde qui est délégué à la recherche de l'IMEC, donc en Normandie, qui, comme vous savez, à l'IMEC, vous avez notamment les archives de Louis Althusser et d'une série d'intellectuels marxistes, et il y a certainement des choses à croiser avec tout ce qu'on vient de dire, tout ça étant du travail en cours. Nous avons évoqué le fait que le CERM touchait plusieurs disciplines, et c'est avec grand plaisir que nous allons donc écouter désormais Hugo Demoulin, qui lui est doctorant, et à terre, donc en linguistique, à l'Université de Nanterre, et pour ceux qui connaissent un petit peu l'équilibre du CERM, savez bien que la partie linguistique était assez développée dans ce centre. Donc sans plus tarder, je lui laisse la parole pour 15 minutes comme les autres, et ensuite nous aurons un petit peu de temps pour quelques questions et échanges, sachant que nous aurons une deuxième séance ultérieurement. Voilà, merci. Hugo. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Bon, merci beaucoup. Merci infiniment Jean Numat et tous les organisateurs de m'avoir invité. Je suis très heureux de participer à ce travail-là. Je ne suis pas historien. Je suis linguiste, donc je veux... Pluridisciplinaire, comme le CERM, il n'y a aucun problème. Donc, je n'ai pas pour l'instant le même rapport à l'archive qui est le vôtre, mais je m'intéresse quand même à cette histoire-là et donc notamment à ce que vous pouvez apporter parce que pour ma réflexion de linguiste, c'est assez important de contextualiser historiquement ces questions-là. Et en effet, moi, je travaille en épistémologie et histoire des théories linguistiques sur la question du discours dans les années 70, à partir de Foucault d'un côté et de Pécheux de l'autre. Et c'est là où effectivement on rencontre le CERN, c'est-à-dire Michel Pécheux, qui en a été une figure assez remarquable. C'est à ce double titre que je veux intervenir ici, et je pense que je voudrais montrer d'abord que le CERM a été un élément, qui a un enjeu à s'intéresser au CERM dans l'histoire de la linguistique, indépendamment finalement de son contexte, c'est-à-dire que ça a fait quand même date dans l'histoire de la linguistique en France, et montrer dans un deuxième temps que, bien entendu, il faut renverser la question et se demander quel pouvait être l'intérêt et l'enjeu de la linguistique, cette fois-ci, pour le Parti communiste et pour un parti qui se dotait d'un outil de recherche relativement indépendant comme le CERN. Et donc, c'est deux questions parfaitement ouvertes hein, pour moi, qui j'essaie un petit peu de... évidemment, je suis plus avancé sur la première et je vais essayer de partager avec vous, mais sur la seconde, j'attends bien entendu de vous que vous m'aidiez aussi. Le CERM, donc cette première dimension, donc le CERM comme enjeu finalement à l'intérieur de l'histoire de la linguistique française. Le CERM section linguistique est un lieu parfaitement célèbre dans ce moment-là. Pour la linguistique théorique française, mais aussi pour l'analyse du discours, et finalement aussi la sociolinguistique. C'était l'espace d'un travail mensuel, hein. Il y avait vraiment une réunion tous les mois à partir de... Alors, je ne sais plus la date exacte de la création de la section linguistique. Je sais que Jacqueline Autier-Revuz, avec qui je travaille, en a été secrétaire à partir des années 75, mais il me semble que la section existait avant. Il y a de fortes chances pour que ça existe avant, vu que finalement, les réunions, le travail collectif était déjà commencé avant. Donc, je pense que c'est plus dans les années 70 que ça commence. Mais peut-être que Jacques Guillaumou, que je salue au passage, pourra un peu nous éclairer là-dessus. Un espace de travail assez sérieux, en fait, pour des linguistes français, et qui a été marqué par des personnalités remarquables. Donc, autant les théoriciens, analystes de discours, comme Michel Pécheux, mais aussi Claudine Normand, qui a été qui a notamment écrit un article en 1970 qui a fait date dans la lecture de Saussure en France, un article dans La Pensée justement,
qui d'ailleurs écrivait au titre du CERM, il me semble. Donc, vous avez beaucoup parlé des relations entre revues et CERM, et effectivement, là, c'en est un exemple, cet article qui a servi, en fait, de point de départ, ensuite, pour beaucoup d'autres recherches menées dans le cadre du CERM linguistique. Donc, cet article qui s'appelle « Propositions et notes en vue d'une lecture de Ferdinand de Saussure », qui, en fait, traite une grande idée qui est associée au nom de Claudine Normand maintenant, qui est l'idée de coupure saussurienne. Et vous retrouvez, bien entendu, là, le mot de coupure qui vient en fait de l'algicérisme, de l'épistémologie algicérienne marxiste, appliquée ici à la linguistique. Ce personnage de Claudine Normand, mais aussi Régine Robin, dont donc, l'actualité a malheureusement parlé récemment pour sa mort, mais donc personnage historien donc, qui était en contact avec la linguistique pendant toutes les années 70, et ce pont entre linguistique et histoire, c'est ce qui a vraiment constitué l'analyse du discours comme discipline en 1970, enfin dans les années 70. Jacqueline Nautier-Revuz, bien sûr, donc, qui a été la secrétaire de linguistique, qui a d'ailleurs, je le précise, accepté de participer dans le cadre de votre projet, enfin, en tout cas si vous le voulez, à des entretiens. Elle a conservé notamment des plaquettes de présentation des séances. Pas les listes d'émargement, malheureusement, mais les plaquettes de présentation. Un souvenir à peu près clair de qui venait, notamment. Et ensuite, Françoise Gadet et Denise Maldiguier, dont je ne suis plus sûr exactement de quel moment elles ont participé, mais en tout cas, Denise Maldiguier, il me semble bien, Françoise Gadet aussi, mais alors à quel moment, peut-être plus tard dans les années 70. Et finalement, d'un autre côté, il y a aussi les sociolinguistes, très importants de linguistique française, que sont Louis Guépin, Bernard Gardin, Jean-Baptiste Marcellesi. Et alors pourquoi je les ai séparés dans la présentation, c'est précisément parce que ben, les analystes de discours et les sociolinguistes n'étaient pas exactement sur les mêmes positions théoriques à l'intérieur du CERM. C'est ça qui est intéressant dans le CERM, c'est cette capacité à avoir su médiatiser des positions théoriques assez divergentes, voire même très divergentes, et d'en avoir réussi à tirer quand même une production intellectuelle considérable. Production donc, qui s'est exprimée dans des revues comme La Pensée, bien entendu, mais aussi dans des revues comme Dialectique, qui ont été un peu en marge du CERM, avec une existence beaucoup plus courte que La Pensée. Et aussi, bien entendu, des revues de linguistique universitaire, dans lesquelles parfois la discussion s'est exportée, comme Langage. Mais pour rester sur le plan théorique, le cœur du débat théorique au sein du CERM, et qui finalement est encore une référence actuellement, c'est la discussion autour du rapport langue et discours. C'est-à-dire, en gros, pour ou contre Saussure. Et finalement, en conséquence, pour ou contre Bakhtin et Voloshinov. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte avec les saussuriens de penser que la langue est un système formel relativement autonome de son cadre historique? Ou est-ce qu'au contraire, on considère qu'elle n'est qu'un ensemble de normes sociales dépendantes de positions sociales et de positions historiques? Et on reconnaîtra donc dans la première thèse la thèse saussurienne, et dans la seconde, une thèse beaucoup plus inspirée de beaucoup plus proche de la sociolinguistique attribuée notamment à Voloshinov. Et c'est finalement à l'intérieur du CERM que cette opposition va se jouer entre d'un côté des saussuriens, qui étaient la plupart du temps des althusseriens, qui avaient une lecture althusserienne de l'œuvre saussurienne, et les sociolinguistes qui étaient plutôt tenants d'un programme de linguistique sociale attentif aux normes, à la langue comme ensemble de normes. Alors ça peut paraître étrange, hein, comment on peut être althusserien, saussurien et marxiste ensemble, mais en fait, maintenant ça nous semble particulier, mais à l'époque c'était très très clair en fait, c'est-à-dire que l'idée de Claudine Normand, c'était qu'on pouvait penser le régime de matérialité spécifique de la langue, penser ce régime de matérialité comme autonome par rapport aux positions sociales, et être un matérialiste quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est la matérialité en question n'est pas celle de la lutte des classes, elle est autre, mais on est quand même matérialiste. C'est ça le créneau, pour le résumer dans les grandes marges. Et la question donc marxiste à l'intérieur de ça, c'était de se dire comment est-ce que la langue interagit avec son extérieur de lutte de classe, et là c'est la question du discours.
Et donc vous aviez donc soit vous acceptiez la position langue-discours, la différence des deux, soit au contraire vous aviez plutôt tendance, côté sociolinguistique, à finalement à essayer de contester l'autonomie de la langue et de la rabattre dans le discours comme un ensemble de normes. Donc une discussion assez théorique et assez profonde sur ces questions-là, qui on peut dire qu'elle avait finalement en arrière-fond la vieille question des deux sciences, sciences bourgeoises, sciences prolétariennes, cette question de savoir si le formalisme de Saussure est bourgeois, si justement il y a quelque chose à s'il ne faudrait pas se déplacer sur un autre terrain et contester toute cette histoire de la linguistique, ou si au contraire on a une manière de le lire qui sera matérialiste, etc. Et donc évidemment vous reconnaissez plutôt dans la seconde position la position althusserienne qui justement luttait dès les années 60 contre la théorie des deux sciences. Cette grande discussion assez célèbre, elle le culmine notamment en 77 dans un numéro de Langage qui est une discussion sur le marisme. Donc c'est le marisme, c'est la doctrine linguistique de Nicolas Marr qui a pris naissance dans les années 10, 20, enfin 20 en tout cas, en particulier en URSS, et qui a été une doctrine officielle de linguistique, associée notamment à toute la réflexion sur les langues nationales, l'unité nationale qui allait être recomposée en URSS, et qui en même temps est critiquée vertement à partir des années 50, et notamment à partir du fameux texte de Staline qui est très, très célèbre, « Marxisme et questions de linguistique ». Et finalement, la question générale, c'est toujours la même, c'est-à-dire, est-ce que la grammaire est une affaire de lutte de classe? Et pour Marr, oui. Pour Staline et pour le revirement de la linguistique soviétique, non. Et la langue est quelque chose d'autre, elle est un instrument de communication indépendant, relativement indépendant donc de ces enjeux de classe sociale. Et le problème, c'est que justement, Staline utilise ça pour essayer de défendre une pensée de l'État-nation, finalement, qui peut être aussi critiqué par les précédents. Et c'est l'enjeu de ce numéro de Langage donc en 77 qui s'appelle Langage et classe sociale, le marisme. Et on a vraiment une opposition qui se recristallise, mais cette fois-ci certes à l'extérieur du CERM. Et peut-être que dans la chronologie, c'est un signe finalement que des discussions internes là s'exportent hein, finalement. Et on est peut-être sur la... Enfin, on est sur la fin de la chronologie du CERM, peut-être que c'est un indice de dysfonctionnement organisationnel, il faut voir, mais on a clairement une opposition dans ce numéro de revue entre vraiment le courant formaliste ou structuraliste classique, donc saussurien, entre Pécheux, donc, et France, qui est représenté surtout là par Françoise Gadet, qui a à peu près la même position théorique, qui considère que le marisme est une affaire Lysenko en linguistique et rien d'autre. Et de notre côté, le courant sociologiste, donc, notamment par l'article de Marcellesi qui exprime à propos du marisme, dont le titre en fait est « À propos du marisme, ni cet excès d'honneur, ni cette indignité ». Donc, au contraire, une forme de, non pas réhabilitation du marisme, mais une discussion finalement de... ce qui quand même pourrait être de l'ordre d'une intuition intelligente dans la position mariste. Donc, un questionnement linguistique, de linguistique théorique assez, assez important, avec des enjeux politiques, bien entendu. Et toute la complexité de la position, de ce débat, c'est que finalement... on est dans les années 70 et les saussuriens et althussériens comme Pécheux n'adoptent pas non plus la position stalinienne qui était de dire que la langue est complètement indépendante de son contexte social. C'est-à-dire que si la langue comme structure formelle est indépendante pour Pécheux, le discours en tant qu'il est la langue mis dans la société, lui ne l'est pas. Et ça change quand même tout, mais ça ne le fait pas tomber dans la position sociolinguiste non plus. Donc, bon c'est des débats qui peuvent vous sembler très, très théoriques dans une perspective d'historien, ce sont des références pour des débats actuels en linguistique. Et j'en donne juste un exemple. Ce sont notamment les discussions actuelles autour de l'écriture inclusive. Parce que si on réfléchit bien, en fait, la question langue-discours, elle se pose dans l'écriture inclusive, que souvent on a tendance à identifier les deux niveaux, langue et discours. Débats qui sont
très, très violent aujourd'hui en linguistique, et qui semble-t-il était beaucoup plus médiatisé à l'intérieur du CERM. Voilà, la question c'est, est-ce que la langue est une pure norme? Dans ce cas, effectivement, il y a une argumentation possible pour vouloir la modifier intégralement. Ou est-ce qu'au contraire, dans la langue, il y a autre chose que de la norme? Et la question de la norme se contente au discours, reste du côté du discours, et donc là, il y a toute une... Le programme de l'écriture inclusive, ce serait plutôt la modification du discours plutôt que de la langue. Donc, débat très actuel en linguistique, et qui, en fait, est sur les mêmes bases théoriques que les débats qui avaient lieu au CERM, mais qui sont beaucoup moins connus du grand public, mais qui sont connus des linguistes. Donc, voilà, juste pour vous convaincre qu'il y avait une production réelle de théorie linguistique au CERM, voilà, elle mérite qu'on s'y intéresse et qu'on essaie d'en cerner les contours, le contexte historique. Je voulais aussi dire, voilà, il faut que j'avance. C'est bientôt fini. Oui, excusez-moi. Non, je voulais donc dire simplement voilà, en tout cas là, c'est une production qui est vraiment réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un enjeu de contrôle des intellectuels, il y a vraiment des débats qui ont été, des productions scientifiques fortes qui ont été faites par cette section linguistique, c'est une certitude. Maintenant, je voulais juste donc ouvrir l'autre enjeu que j'avais très vite, excusez-moi. C'était donc de dire quel pouvait être l'enjeu stratégique donc d'avoir cet outil théorique relativement autonome qui est assez original finalement dans l'histoire du PCF et même des parties un peu plus en général. Vous l'avez bien resitué dans l'aggiornamento, comme dit Pudal. Intellectuels, des intellectuels communistes à partir des années 60, donc je n'y reviens pas. Bon, voilà, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est simplement dire que il semble qu'il y avait derrière ces oppositions théoriques, en fait, des questions de stratégie qui étaient relativement opposées. C'est-à-dire que d'un côté, une stratégie communicationnelle, qui était plus s'intéresser à la linguistique comme enjeu de propagande, comme enjeu technique de propagande. Et de l'autre côté, une réflexion sur l'idéologie, donc plutôt le fait des Althussériens qui s'interrogeaient sur les questions d'hégémonie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut conquérir ou perdre l'hégémonie dans le champ linguistique. Bien entendu, tout ça, c'est pensé dans le cadre et surdéterminé par la question du programme commun qui est censé unir donc, ces deux réflexions internes. Et un élément d'analyse, c'est que voilà, à la fin du CERM, c'est souvent vécu par les acteurs de plutôt les Althussériens, donc Pécheux, Normands, c'est plutôt vécu la fin du CERM et donc le tournant la fin du programme commun, c'est plutôt vécu donc comme quelque chose qui aurait été raté sur le plan de l'idéologie. Et inversement, les sociolinguistes ont plutôt eu tendance à rester dans l'IRM qui l'a remplacé. Donc finalement, alors ça ne veut pas dire tout bêtement que c'est un courant qui a gagné sur l'autre, mais bon, la question est ouverte de voir à quel point, comment finalement tout le pan althussérien s'est senti vraiment mis de côté, mis en minorité par les choix politiques des années 80. Merci beaucoup. Désolé d'avoir dû aussi, là encore, un peu interrompre et d'avoir évoqué ce cas de la linguistique et des débats de l'époque qui, effectivement, a très bien montré à quel point ça peut recouper des enjeux contemporains. Donc, ça ouvre des perspectives aussi tout à fait intéressantes pour la suite de l'étude du CERM. Ça montre que c'est pas des débats anciens qui n'ont plus rien à voir avec ce qui s'est passé dans les sciences humaines après. Non, mais mine de rien, c'est quand même une entrée aussi tout à fait intéressante. Merci beaucoup. Alors, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps et que nous aurons l'occasion de continuer à discuter. Donc, vous pouvez faire comme Jean Vigreux, vous levez votre petit pouce. Avec Zoom, tout le monde sait le faire maintenant, puisque nous passons quand même une partie de notre vie sur cet outil formidable. Donc, vous pouvez lever le petit pouce ou me faire un petit visage, quelque chose, pour vous signaler si vous pouvez les poser des questions assez brièvement. Ce que je vous propose, c'est qu'on prend une série de questions, de remarques, et après, dans l'ordre des intervenants, chaque intervenant aura une ou deux minutes pour conclure et pour répondre. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. On débordera un petit peu au-delà de 17h, mais pas trop, parce que certains doivent partir, je sais, ils me l'ont signalé avant. Jean Vigreux. Oui, merci Jean-Numa, et merci à tous les intervenants pour la richesse du séminaire. Une petite série de questions, puisqu'elles ont été évoquées, c'est sur le lien entre le parti et le CERM. On a évoqué Léo Figuère, mais... je pense aussi à Laurent Casanova, et en particulier la brochure « Le Parti communiste, les intellectuels et la nation », ce qui nous permet aussi de penser les règles qui ont été fixées
du rapport hein, Parti-CERM à certains moments donnés et la circulation des archives et des publications hein, sans renvoi à la conversation qu'on avait tout à l'heure. Mais au-delà de ça, c'est le rôle aussi des secrétaires généraux. Pierre l'a évoqué. Bon, je l'avais fait avec Val des Crochets il y a quelques temps, mais on peut le refaire aussi avec Maurice Thorez. Hein. Tu l'as dit, avec le fonds Thorez, il y a des éléments. Dans le journal, on a pu trouver des éléments liés au CERM directement. Donc, je pense qu'il y a aussi le suivi du CERM par la direction politique qui est à présenter, puisque généralement, le secrétaire général faisait la clôture hein, de la semaine de la pensée marxiste. Alors qu'on pense à la semaine, je ne sais pas, le PC et la culture, hein, il y en a une qui était comme ça. La sixième semaine, c'était socialisme, paix et libération nationale, qui permettait d'intervenir non seulement à Jean Surey-Canal, puisqu'on a parlé de lui, mais aussi Montvallon de Terre Entière, Destier de la FGDS, bref, de penser tout ça. Et sur Garaudy, dernière petite remarque, avant d'évoquer des questions plus précises, il y a une thèse en sciences politiques, je ne sais pas si vous la connaissez, de Didier Gauvin, un intellectuel communiste illégitime. Peut-être qu'il y a des choses sur le CERM, il faudra qu'on aille vérifier. Elle est en ligne, la thèse, je précise en passage. Et qu'on vérifie tout ça. Sinon, sur Pierre, ce que tu as évoqué, les 2700 noms de la liste des adhérents, des intervenants du CERM, hein, de 59 à 79, quoi, à la fin, etc. Est-ce que la liste, elle est indexée ou elle est juste, tu as compté, enfin toi, le nombre qu'il y avait, parce qu'on pourrait peut-être essayer de la mettre en relation avec le Métron. Hein, c'était une petite idée, voilà. Ouais, je me tais parce que j'avais d'autres questions, mais il ne faut pas que je monopolise la parole, pardon. Aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, interrogations? Ça pèse aussi les intervenants, les uns par rapport aux autres. J'en profite pour dire, parce qu'on l'avait signalé, que comme on fera une journée, on fera intervenir davantage les témoins de l'époque la prochaine fois, mais si certains sont ici parmi vous, effectivement, je n'avais pas vu, je salue Jacques Guillaumeau au passage, qui est effectivement présent, comme l'a rappelé Hugo Dumoulin, donc n'hésitez pas à poser des premières questions, interrogations et des jalons pour la suite. Jacques demande la parole, justement. Et ben, c'est parti. Jacques ? Oui, vous m'entendez ? Tout à fait, Jacques. Vas-y. Bon, alors, ma question peut paraître très étroite, mais elle fait partie de mon vécu. Elle fait partie de mon vécu de jeune étudiant et jeune chercheur, professeur de lycée et d'althusserien. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut aller assez loin dans la manière dont se sont mis en place les rapports entre le CERM et les althusseriens. Parce qu'il y avait trois cercles. Enfin, moi, je le percevais comme ça, étant jeune chercheur. Il y avait le premier cercle, bon, que tout le monde connaît, et je le connaissais d'autant plus que j'avais eu Jacques Rancière comme professeur de philosophie en terminale. Ensuite, il y avait le second cercle, beaucoup de linguistes, et Hugo en a cité un certain nombre. Puis il y avait un troisième cercle, c'est-à-dire un certain nombre de jeunes étudiants, voire de jeunes chercheurs en thèse, comme c'était mon cas, qui se considéraient comme althusseriens. Et c'est vrai que quand, en même temps, on était membre du Parti communiste, il valait mieux, dans les réunions du Parti communiste, ne pas trop parler de cette chose-là. Disons que c'était toujours parce qu'on avait, on rencontrait une majorité d'intellectuels communistes qui ne percevaient pas l'intérêt dans l'histoire du marxisme d'Althusser. Pour eux, c'était lié au structuralisme, à des débats idéologiques, etc. Donc, le CERM, c'était très différent. En fait, c'était le seul lieu, je me souviens qu'on y allait systématiquement avec Régine Romain et Denise Malditier, où on ne se percevait pas comme étant interpellé de manière négative. Donc, il y avait quand même une certaine ouverture. Alors, c'est évident dans le secteur linguistique, ça a été montré par Hugo, mais c'était vrai également dans les autres secteurs. Et c'était également vrai, puisque ça a été mon cas dans les années 70, quand on devenait proche de Gramsci. Parce qu'être à la fois proche de Gramsci, proche d'Althusser, c'était parfois difficile à gérer à l'intérieur du parti. Donc ça, c'était le côté intéressant. Moi, c'est ma question, c'est-à-dire l'ouverture du CERM pouvait aller très loin, jusqu'aux Althusseriens, voilà. C'est-à-dire à des marxistes qui étaient perçus tout à fait
je ne dirais pas qu'ils étaient perçus comme non-marxistes, mais disons très à part des débats dans le parti sur le marxisme, Garaudy, même chez les linguistes, Marcellesi, Guépin, la manière dont ils percevaient le rapport au social, enfin, la lecture de Marx, etc. Voilà. Donc, ça, ça me paraît intéressant. C'est le niveau d'ouverture du CERM. Pour ouais, ça renvoie au débat. Mais ça renvoie au débat, ce qu'on avait depuis le début sur un caractère interne par rapport au PC, au réseau du PC, mais quand même relativement ouvert par rapport à d'autres structures. Quoi. Donc c'est, la jonction était clairement faite. Je me tais. Merci beaucoup, Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, questionnements? Non. Oui, pour un certain nombre d'entre nous, nous sommes là depuis 13h30, donc c'est vrai, l'histoire nous passionne. Mais... Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. On peut reprendre encore une question. Après, je vais laisser les intervenants. Je vous en prie. J'avais une question. Et moi, je voulais savoir plutôt, c'est quoi le rôle du CERM, de la naissance du CERM par rapport à la situation, à la situation politique contemporaine du communisme international, même à la situation antérieure française et aux querelles avec le Parti communiste italien. Et une deuxième question, dès la naissance, ça. Et aussi, je voulais savoir aussi, par exemple, pour les transformations du CERM dans les années suivantes. Après, la seconde question, la deuxième question, c'est plutôt à l'égard des Suez-Canal. Et je voulais savoir, en fait, si la présence des Suez-Canal a, en fait, apporté collaboration d'intellectuels africains aussi dans les CERM. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement encore une ou deux interrogations? Que ce soit sur un des points particuliers ou des questions générales, sachant qu'encore une fois, on aura l'occasion. Marco voulait. Oui, pardon, Marco, du coup, comme tu étais le premier intervenant, répondre et poser des questions à la fois, c'est parfait. J'ai la parole pour dire des choses, pour réagir aux questions qui ont été posées, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vérifie s'il n'y a pas une autre. On a le temps. S'il n'y en a pas d'autres, et comme le temps est bien avancé, allons-y, vas-y Marco. Voilà, moi je vais très vite, je commence un peu par la fin pour ce qui a été dit par Gabriele Siracusano qui s'est lié un peu à ce qui a été dit par Anthony dans son intervention, c'est-à-dire les rapports avec les autres partis communistes, les autres institutions des partis communistes, notamment du PCI, mais en général... des autres partis communistes. Moi, pas dans le livre que j'ai publié en France, mais dans une autre publication que j'ai publiée en Italie, j'ai cité une note du directeur de l'Institut Gramsci des années 60, du début des années 60, dans lequel il, au secrétaire, pas le début des années 60, c'était 64, 65, je ne souviens pas les dates aujourd'hui, dans laquelle c'était une note pour Luigi Longo qui devait rencontrer Waldeck Rocher, je pense, à Nice ou à Sanremo, je ne sais pas où, mais en tout cas à la frontière entre la France et l'Italie, à la frontière au bord de la Méditerranée. Et le directeur de l'Institut Gramsci disait que travailler avec les institutions culturelles du PCF, c'est toujours un problème. Parfois, c'est un problème un plus lourd que travailler avec les institutions culturelles des pays de l'Est. Parce que la direction du parti du PCF avait toujours le souci de contrôler les sujets, les thèmes, les questions qui étaient au centre de cette collaboration. Et donc, c'était très difficile, parfois plus difficile que par rapport aux démocraties populaires. Avec ça, ce que je veux dire, c'est que par rapport à ce que disait Anthony, la question de la réforme
la question de la réforme, du communisme réformé, de l'aggiornamento, c'est très différent dans les PCI et par rapport au PCF des années 60. C'est vrai que parfois des figures comme Garaudy sont un peu vues en France comme les Italiens. Mais c'est vrai aussi que des membres de la direction italienne, voire Giorgio Napolitano, en 68, écrit un article sur Rinascita qui est ensuite publié sur les cahiers du communisme, qui condamne l'interprétation de Gramsci par Garaudy. Donc, à mon avis, c'est très complexe, et ça nous ramène aussi au rapport du PCI et du PCF dans les mouvements communistes internationaux et les rôles qu'ils jouent dans. Donc, ça pour dire que la production théorique, ce n'est pas seulement un enjeu culturel ou un enjeu d'histoire de la culture ou d'histoire du marxisme, mais c'est aussi une question politique qui est au centre des préoccupations de la vie des partis communistes et des groupes dirigeants des partis communistes. Ça nous ramène aussi à ce que disait Jean Vigreux sur le rôle des secrétaires, mais je ne peux pas trop développer. Pour la question des antusériennes, oui, c'est ça la question. Moi, j'ai utilisé les mots ghetto. Les SERM, comme tu as dit, Jean-Humain, c'est un lieu de liberté où il y a une activité des intellectuels relativement libre, mais qui n'a pas de lien qui sont hors du contrôle de la direction avec ce qui est la base du parti, les autres lieux de la. Même les maisons d'édition, même les revues, même les journaux. Voilà, c'est ça. Et parfois, pour jouer ces contrôles, il y a des intellectuels ouvriers, d'origine ouvrière, parfois ou pas, qui sont liés au groupe dirigeant, qui font les liens entre la direction du parti et les lieux où se développe la production intellectuelle, telle comme est les CERN. Voilà. Merci. Expliquer les choses que j'ai dit avant et par rapport à ce qui était dit après. D'accord. Je passe la parole dans l'ordre des intervenants, du coup, à Antoine, s'il a un mot à rajouter sur un certain nombre de points, puis après aux autres. Antoine ? J'ai pas grand chose à dire, mais c'est, disons qu'on voit bien à quel point on va pouvoir écrire quelque chose d'assez précis et faire vraiment de la recherche pour le coup qui parte plus seulement de simples hypothèses, mais vraiment de choses très concrètes et voilà, parce que par exemple on était allé faire des archives de Jacques Texier avec Jean Dumas et c'est vrai qu'on n'avait pas trouvé grand chose. Enfin, à chaque fois, moi j'avais l'impression de pas trouver grand chose, et donc là. Ce type de journée permet quand même, à travers ces échanges, d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce qui s'y passe, quoi. Et moi, je trouve ça, à titre personnel, très enrichissant et stimulant, quoi. J'avais juste peut-être une question à Hugo. En fait, je me demandais juste si tu avais regardé les archives de Michel Pécheux à l'IMEC, justement, puisque Jean-Luc parlait de l'IMEC tout à l'heure, parce que moi, j'ai jamais eu le temps de les regarder. Donc voilà, et puis je sais aussi, bon, sur la question des althusseriens, c'est tout l'enjeu, hein, de saisir la place du CERM au sein du monde communiste en général, et notamment du pôle althusserien. Je sais que dans les archives d'Althusser à l'IMEC, justement, il y a un certain nombre de choses qui sont relatives au CERM, parce que l'inventaire est en ligne et il est très complet, donc il faudrait aller voir ce qu'il y a concrètement là-dessus, quoi. D'accord, merci beaucoup. Anthony, très aigu. Anthony, on t'entend pas. Il faut que tu ouvres ton micro. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Bon, j'essaie juste de dire quelques pointes, mais par rapport à ce qui était évoqué comme question, je pense qu'il y a aussi, par rapport à ce que disait Jacques Guillaumou, il y a des événements qui n'ont pas eu une portée ou des débats avortés, qui, à mon avis, sont intéressants sur Gramsci. J'ai deux pointes par rapport à Pasquarelli, notamment, en 67. Il avait été proposé par la section italienne du CERM un débat ou une cérémonie ou un colloque sur Gramsci et qui n'a jamais abouti. Et c'est Pasquarelli qui a essayé d'avancer cette idée.
À mon avis, là, il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Je n'ai pas trouvé la réponse. Qui a bloqué? Je ne sais pas. Le deuxième événement, il est plus évident, c'est 76, au moment des débats sur la dictature du prolétariat, sur l'État, et des débats qui ont peut-être eu lieu au CERM, mais là, ça a marqué quand même Balibar ou Labitude, notamment, et qui n'ont pas été publiés, et qui ont été finalement, là, ça me ramène à mon deuxième point, c'est la revue Dialectique. C'est Dialectique qui a publié finalement une table ronde, et je crois que par Dialectique, il y a aussi des éléments à creuser. Quand j'ai vu l'intervention de Hugo Dumoulin, Dialectique a servi à publiciser ces débats, à ouvrir des portes vers Nanterre, vers la linguistique. Je crois que c'est peut-être une manière, par rapport aux cercles althusseriens, de trouver une porte d'entrée. Par rapport à ce qu'a dit Pierre Boischu, en fait, effectivement, enfin, la manière de s'en sortir qui est infinie, c'est d'aller chercher dans chaque fond, parfois les correspondances. Je pense à Bess en particulier. Bess, au début des années 70, je pense que c'est en lien avec ce qui se passe dans le CERM, regarde avec intérêt. Alors, il est toujours méfiant envers le garaudisme, envers les Italiens, mais il essaie de se tourner vers les milieux foucauldiens ou bourdieusiens, notamment. Et peut-être qu'il y a des connexions ici qui permettent aussi un espace de liberté qui n'est pas qu'un espace de liberté œcuménique et on discute, mais de... C'est toujours politique, en fait. C'est des contre-feux, c'est jouer des débats pour ensuite pouvoir les arbitrer ou pouvoir faire des contre-feux à d'autres lignes qui existent. Donc, c'est ça, par rapport à ce que disait Hugo Dumoulin, je pense qu'il est intéressant. Et dernier point, je vais pas aller dans le détail, mais sur PCF-PCI, la question de la signore Siracusano, par exemple, c'est infini parce que c'est toute ça la question, en fait. C'est que pour le PCF, c'est une question sensible politiquement et qui se résout aussi en termes presque diplomatiques avec le PCI. Donc les questions fondamentales sont traitées ainsi, et comme tu l'as dit, Marco, à un certain moment, c'est par le silence que ça se résout. Quand on n'a pas d'accord, eh bien, on tait les choses. Et tu disais l'article de Napolitano, bon, Napolitano est un politique, mais au sens vraiment très fort du terme, mais l'article de Napolitano en 68 sur le bloc historique, qui se joue dans des enjeux italiens, on aura le compromis historique et tout ça, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais va ouvrir une porte, une brèche, pour le gramscisme en France et pour le courant italien, c'est-à-dire que le PCF va être content que Napolitano condamne Garaudy. Et ça va permettre à des gens comme François Ricci, mais surtout, je pense à Texier, de commencer à introduire Gramsci en France et à se dire que ce n'est pas radioactif, mais que ça peut servir dans la ligne du PCF. Et le dernier point, donc, c'est la question de Texier, en fait. Les archives de Texier, alors il y a sa dernière femme qui avait des documents. C'est un peu décevant de ce que j'en ai vu, mais là aussi, Texier peut être un moyen de sortir de ces problèmes. Merci. Merci beaucoup, Anthony. Peut-être. Anthony, excusez-moi, Jean-Louis. Très bref, ouais, vas-y. La condamne des Napolitano du bloc historique, c'est aussi la condamne des Napolitano du groupe du Manifesto en Italie et des politiques aujourd'hui en France. Bien sûr. Voilà. Bon. Ouais. Donc, c'est toute une étude sur Napolitano qui, comme c'est un homme d'État en plus, après, très porté. Qu'est-ce que je voulais dire, pardon, peut-être dans l'ordre toujours Pierre Boischu. Alors il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il arrivait des problèmes de connexion. Pierre, si tu veux ajouter quelque chose, si tu es là, je vais passer la parole au bout du moulin juste après. Non, Pierre, bon, manifestement problème de connexion. Je le dis juste maintenant, puisque ça a été évoqué dans le chat. Oui, Étienne Balibar nous avait dit qu'il viendrait peut-être. Bon, il est relativement facilement joignable. Il maîtrise très bien l'outil informatique, donc d'une manière ou d'une autre, soit on arrivera à l'avoir en juin, et sinon on se débrouillera peut-être pour que, notamment parmi les intervenants, quelqu'un fasse un entretien spécifique avec lui autour de la question du CERM, puisqu'il n'a pas vraiment de documentation, par contre, précise. Donc voilà. Pierre, non. Boischu, non. Pas là. Bon. Hugo, si vous voulez répondre un peu aux différentes questions qui ont été posées ou réagir. Et oui, ensuite... rapidement, mais sur les archives pêcheuses à l'IMEC, en effet, j'y suis allé et elles sont très riches, elles sont vraiment très riches. On y trouve principalement deux choses. La première chose, c'est des éléments sur la RCP, CNRS ADELA, donc analyse du discours et lecture d'archives, et qui est intéressante parce qu'elle commence dans les années 80, début 80, 79-80.
justement au moment où le CERM disparaît. Et on y retrouve énormément de gens du CERM, et notamment Jacques Guillaumeau, ici présent. Et donc, est-ce que ce serait un après-CERM qui poursuit autrement le terrain de réflexion théorique? C'est une question qui est possible. Enfin, c'est une question qui est ouverte. Et moi, je pense que c'est une hypothèse probable. Et autre chose, donc, dans ces archives pêcheurs, on a aussi des textes inédits. Il y en a un sur Popper qui est intéressant, mais il y en a un surtout qui est génial, qui s'appelle « Le structuralisme brûle-t-il ?» qui en fait, donc avec une petite équipe, on essaie de publier d'ailleurs actuellement, mais il y a quelques péripéties éditoriales, surtout en ce moment, vous en doutez. C'est un texte particulièrement intéressant sur les enjeux stratégiques et politiques de la position althussérienne dans le structuralisme. Pour Pêcheuse, c'est vraiment, il y a une triade Marx-Freud-Saussure qui a passé une sorte de compromis dans les années 60 et qui est en fait un avant-poste d'une nouvelle position marxiste, en fait, ce qu'il appelle même en fait une révolution culturelle avortée, pour parler du structuralisme. Donc, ça, c'est dire à quel point en fait cette position théorique, elle était investie en fait d'attentes politiques fortes en fait, en tout cas du côté des Althussériens. Et oui, non, mais effectivement, sur Dialectique, il y aurait beaucoup à dire. C'est une revue fascinante qui a joué ce rôle effectivement d'articulation que vous dites. D'accord, merci beaucoup. Alors, écoutez, comme il est l'heure et que certaines personnes doivent partir, on en fait part. Je vous remercie d'abord à toutes et tous d'être venus assister au séminaire et encore plus aux intervenants d'avoir fourni des éléments donc au débat et à l'histoire du CERM. Bon, je crois que j'ai dû couper tout le monde et c'était bon signe quant au débat qui doit continuer à se poursuivre. Donc, l'idée de cette séance, je laisse aussi Serge Volikov dire un mot, bien évidemment, c'était de faire un premier état des lieux sur toute une série de recherches qui est en train d'être menée sur le CERM, par divers biais, vous l'aurez compris. Et donc, à partir de nos échanges-là, nous allons réfléchir à une élaboration d'une journée d'études. Donc, nous aurons toute une journée cette fois-ci, on espère en partie en présentiel, donc au mois de juin, pour approfondir les axes de recherche qui ont été présentés aujourd'hui, en invitant plus formellement un certain nombre de témoins à intervenir lors de cette journée s'ils peuvent ou s'ils veulent. Et par ailleurs, au vu de ce qui était avancé, notamment par Pierre Boichu et quelques autres, de toute façon, c'est un chantier que l'on va continuer à poursuivre ultérieurement. Il y a des archives nationales aux archives départementales, à différents fonds privés jusqu'au fonds Popren à Nantes, il y a encore un certain nombre de recherches à mener. Les cahiers sont numérisés. Nous sommes en train de mettre au point l'outil d'indexation des cahiers qui va être utile donc aux chercheurs qui se sont exprimés aujourd'hui, mais plus largement à celles et ceux qui sont susceptibles de toucher au CERM, même en étant parfois sur des relativement extérieurs à l'histoire du marxisme ou du PCF, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc tout ça va être discuté et mis en place donc dans les semaines à venir. Peut-être Serge Volikov voulait dire un mot de fin, on avait prévu aussi de... Oui. En fait, non, moi je voulais dire un mot simplement sur le fait que cet atelier s'inscrit dans une série de divers ateliers, d'une série de séminaires, et même si on arrive à un niveau de spécialisation très élevé pour progresser en qualité, ce qui est notre cas, on voit bien que l'interdisciplinarité ne fait pas de mal, et même sur les différentes problématiques sur l'histoire communiste. Et donc, le 30 avril, on aura une séance sur les questions, si j'ose dire, de l'autre côté, c'est-à-dire la question de l'anticommunisme d'État, c'est-à-dire des politiques de répression anticommuniste d'État au moment de du début de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation allemande, mais aussi du règlement de compte contre le judéo-bolchevisme et l'anticommunisme d'État en France, à partir d'un travail de thèse qu'a soutenu Louis Poulès, et d'autre part un travail qui est aussi sur cette question mené par une doctorante qui travaille avec Jean Vigreux sur le cas tunisien et sur toute la répression anticommuniste en Tunisie. Je pense que notamment toute la dimension idéologique, l'organisation même de cet anticommunisme d'État et de la répression est tout à fait intéressante. Et ça fait partie des différentes séances de notre séminaire. La journée d'études, si on peut vraiment, on va essayer de la faire en présentiel, comme l'a dit Jean Numa. Pour le cas où on aurait besoin, on pourrait trouver une situation hybride, hein, des systèmes hybrides.
hybride, on a les moyens techniques, on veut essayer absolument de le faire en présentiel pour les témoignages, pour des gens qui auraient des problèmes de difficulté à se déplacer, que ça soit pas un obstacle a priori pour ne pas participer. C'est ça que je veux dire. Hein. Bien voilà. Sûr. Et comme Serge a rappelé la prochaine séance, je vous invite à aller sur le site de la Fondation Gabriel Péri ou sur la MSH de Dijon ou sur le GRIS de Rouen pour avoir la suite du programme. Parce qu'il y a d'autres séances, effectivement. Il y en a une sur les archives de la direction du PCF et les congrès, une sur le congrès de Tours vu d'en bas le 4 juin et donc une journée d'études sur le, autour du CERM le 11 juin. Voilà. Et il y a d'autres projets ensuite. Voilà, écoutez, si tout le monde a... d'autres précisions, peut-être Jean-Vigru, une dernière précision. Oui, dans la discussion, et Annie Benarous a raison de le rappeler, hein, il y a des témoins du CERM qui étaient présents ce jour qui n'ont pas eu le temps de parler. Tout à fait. Il n'y avait pas de refus de prise de parole, hein, il suffisait de demander. Non, absolument. J'avais signalé par écrit qu'il n'y avait aucun souci. Il n'y a pas de souci. Donc, ça pourrait être rattrapé la prochaine fois. Hein. C'est tout à fait. C'est un chantier, c'est le début d'un grand travail. Qui est lancé et tout le monde a sa place pour... Absolument. Et vu les pistes qui ont été avancées, on n'aura pas fini en juin de toute manière. Il y a juste, Jean-Numa, c'est à voix haute, hein, le fait qu'on travaille sous une forme audio-vidéo ne signifie pas qu'on ne doit pas passer à un moment donné par l'écrit et par des papiers compte-rendu, et les compte-rendus écrits. Et donc, tous ceux qui ont des suggestions et des propositions, s'ils peuvent aussi les mettre par écrit, ça ne fait pas de mal. Hein, ça va de soi pour nous tous, mais il faut mieux le rappeler. Hein, voilà. Très bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, effectivement, à la suite de la journée d'études, on pourra réfléchir éventuellement à une publication collective autour de ces problématiques-là, parce qu'elles sont suffisamment larges, à mon avis, au-delà d'objets CERM pour susciter quelque chose. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. On reste en contact. Vous avez par la Fondation Gabriel Péri le lien avec les autres séances, etc. Et n'hésitez pas à nous faire part, que ce soit pour les recherches ou à travers des témoignages, tout ce qui est relatif à l'histoire du CERN. Voilà.